Voici l'histoire d'un gamin qui s'appelle Patrick Dils. Il a 16 ans quand il est accusé du pire des crimes, d'avoir tué à coups de pierre deux petits garçons. Et ce crime, il l'avoue. Et il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Seulement voilà, après 15 longues années de prison, il a 31 ans. Et à l'issue de son troisième procès, Patrick Dils est acquitté. Il n'a pas tué les deux enfants. Il n'est absolument pour rien dans cette affaire. Il a seulement perdu la moitié de sa vie dans les prisons françaises. Mais là, j'ai vu les deux enfants, la tête, la figure écrasée par une pierre qui fait plus de 5 kilos. Alors vous pensez du spectacle qu'il y avait là, hein? L'inspecteur Varly a dit « Allez, vas-y, dis à ta mère ce que tu nous as dit. » Et là, Patrick m'a dit « Maman, c'est moi qui a fait le coup. » Voilà, c'est Patrick Dils qui a avoué, qui a tout avoué. Comment il a tué les enfants. Le bruit que cela faisait était comme le bruit d'un melon qu'on écrase. Toutes les questions se sont posées, mais en même temps, on était soulagés de savoir qu'on avait trouvé un coupable. Qui dit qu'il n'aurait pas de haine envers ça? On massacre pas des enfants qui sont en train de jouer, non? J'avais à peine 18 ans. Le monde s'écroule. On a vu grandir en prison, au parloir. On m'insulte. Hein, ça serait quand même beaucoup plus simple. Meurtrier, assassin d'enfants, on va te faire la peau, on va te lyncher. Tu mérites pas d'exister, tu mérites pas de vivre. Là, en passant sous le tunnel, il y a des jeunes qui lui avaient lancé des cailloux sur la voie ferrée qui était située au-dessus. Et là, il s'était énervé, il avait posé le vélo à l'intérieur du tunnel et il s'était précipité le long du talus pour voir quels étaient les jeunes qui lui lançaient des cailloux. Le second procès d'un homme qui se dit innocent et qui a passé près de 15 ans de sa vie en prison. Et il s'agit certainement de la plus monstrueuse erreur judiciaire que la France ait connue. Pour la troisième fois en 13 ans, il fait face à des jurés populaires. La cour entre dans la salle d'audience. Il faudra attendre la cinquième question pour comprendre. Patrick Dils est acquitté. Ils ont quand même compris que c'est pas mon fils qui est le coupable. Tout a commencé dans la banlieue de Metz, en Lorraine, à Montigny. Le coin est résidentiel. La route principale suit le tracé de la ligne SNCF qui longe cette petite ville, 25 000 habitants. Tous les enfants de Montigny connaissent ce talus où stationnent les wagons désaffectés. Depuis toujours, c'est un terrain d'aventure, loin du regard des adultes. Gérard Charru, aujourd'hui journaliste et qui a grandi à Montigny, connaît encore le talus comme sa poche. Il faut faire attention aux branches d'acacia. Le terrain en est infesté. Donc nous voilà sur le ballast. Et puis tout a eu lieu le drame. Ben, ce lieu, c'était un terrain d'aventure avant l'heure. Tous les enfants du quartier, après le goûter, ils montaient, on y allumait des feux. On y fumait des lianes fumantes. On y mettait des grosses pièces de 5 francs en aluminium, comme il y avait autrefois sur les rails du chemin de fer. On regardait passer le train et ensuite on récupérait une pièce toute plate, comme une balle de tennis, brûlante. Et puis, alors, bien sûr, les cailloux, on ne devait pas en jeter, mais on en jetait, on se bagarrait, même à coups de danse-pierre. On s'attachait comme des Indiens, à des poteaux de torture. Voilà, c'était vraiment un endroit de jeu et un endroit de rêve. Tous les gamins aimaient venir ici. C'est entre ces wagons de chemin de fer sur la voie qui domine ce quartier de Montigny-les-Metz que l'on a retrouvé hier soir Cyril et Alexandre, les crânes fracassés à coups de pierre. Il était à peine 20 heures. Depuis 18 heures, les parents recherchaient les deux garçons, des gamins de 8 ans qui étaient venus là pour faire du vélocross. Je connaissais le petit Alexandre. C'était vraiment un gosse qui était sous surveillance. Aussitôt qu'il était un peu parti loin, on entendait ou la grand-mère ou la maman crier « Alexandre, où t'es ?» C'était vraiment... L'autre, je le connais pas. Les policiers du SRPJ de Metz poursuivent leur enquête, recueillant le moindre témoignage, le moindre indice. Des voisins du talus auraient entendu les enfants pleurer peu de temps avant que les recherches commencent. Le 28 septembre, c'est l'un des plus beaux jours de l'été, les habitants sont dehors, ils profitent de leur jardin. Le quartier est à l'écart des grands axes de circulation.
les enfants s'y baladent à vélo, en toute sécurité. Alexandre et Cyril ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés en début d'après-midi. Pendant des heures, ils ont joué dehors. Ensuite, ils sont rentrés goûter, avant de ressortir un peu après 17 heures. Alors il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Le petit Bénin venait à sa rencontre avec un casse-croûte de saucisse, je ne sais pas quoi. Et là, l'autre a dû lui dire, tu viens, on va jouer. Hein? Puis ils sont repartis. Alexandre et Cyril se dirigent alors vers le talus. Ils prennent la rue Venizelos et ils déposent leur vélo, juste en face de cet entrepôt. Vers 18h30, les parents et les grands-parents d'Alexandre s'inquiètent de ne pas le voir revenir. Le grand-père, il est venu, il était aux environs de 19h à peu près. Il est venu voir si Alexandre était là. Mais je dis non, Alexandre, il n'est pas là. Cyril non plus. Alors, le grand-père a fouillé un peu partout. Mais c'est tout ce que je me souviens. Les parents d'Alexandre décident de prendre leur voiture pour faire le tour du quartier. Il faut faire vite. La nuit est en train de tomber. Dans la rue Venizelos, au bas du talus, les phares éclairent deux vélocrosses posés contre la pente. Les bécriches s'arrêtent. Il est près de 19h. Le papa d'Alexandre escalade immédiatement le talus. Monsieur Bécriche a cru entendre des bruits de voix. Il regarde sous les wagons. Rien. Maintenant, il fait nuit noire. Des voisins viennent se joindre à eux. Puis arrivent des policiers. Eux sont équipés de lampes torches. Et soudain, dans le faisceau de lumière, derrière un wagon, le corps des deux petits garçons. Est-ce que vous avez trouvé les enfants? Il m'a fait un signe de la tête. Alors, je ne sais pas, je vais aller voir. Il n'a pas voulu que je passe, alors je l'ai écarté. Et j'ai été voir. Mais là, j'ai vu les deux enfants. La tête, la figure écrasée par une pierre qui fait plus de 5 kilos. Alors vous pensez du spectacle qu'il y avait là, hein, hein? Parce que j'en ai vu aussi des massacres pendant la guerre. Mais de ça, de mon petit-fils, ça je ne pourrais jamais pardonner à celui qui l'a fait. Hein. Tout d'un coup, je me dis, il faut que je m'habille, je ne pouvais plus rester à la maison, il faut que j'aille voir, moi, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Je ferme tout, je me rhabille, et je redescends, puisque vous avez vu, c'est tout près de chez nous. Hein. Je redescends en bas du talus, je vois tout cela, et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois les pompiers, et la nuit commençait à tomber. Je vois les pompiers, je vois les flics, C'est là que le commissaire de police est venu me dire que c'était fini. Le petit, il m'a dit, je le revois encore assis dans la cuisine, là. Il m'a dit, Monsieur Bénin, votre petit est décédé. Non, je n'arrive pas à dormir la nuit, je me réveille et je pense à ça. J'ai toujours ces images qui défilent devant moi. Vous voyez. Quelques jours plus tard, les obsèques des enfants. Deux messes distinctes, le même jour, dans l'église de Montigny-les-Metz. Toute la ville est là, dans l'église et à l'extérieur. Le parvis était noir de monde. À cette fenêtre que vous voyez ici, il y avait un policier qui photographiait tous les gens qui entraient dans l'église. Ensuite, les photos ont été agrandies. Ils ont essayé de voir si le meurtrier était venu aux obsèques de ses propres victimes. Les policiers ont beaucoup travaillé sur cette affaire et ils en ont fait une affaire personnelle parce qu'ils étaient pour la plupart âgés de 30 à 40 ans. Ils avaient de jeunes enfants et ils voulaient absolument résoudre cette affaire. Je me souviens d'un gros bouquet de lys blanc sur le cercueil de Cyril. L'ambiance était poignante, il n'y avait pas un bruit dans l'église. Et l'abbé Blum avait dit une phrase qui m'avait frappé. Il avait dit aux parents, actuellement vous êtes en train d'entrer dans un désert et la traversée sera longue et difficile. Dominique Rizet, il y a une énorme pression sur les policiers dans cette affaire. Une pression énorme parce qu'on se trouve dans un contexte particulier.
un contexte très pesant. Ça se passe, on est dans l'est de la France, dans la région de Nancy, là où à peine 2 ans auparavant a été assassiné le petit Grégory. La police et la gendarmerie se sont cassés les dents sur cette enquête. Et là, c'est un double meurtre, cette fois-ci à Montigny-les-Metz, un double meurtre d'enfant, et la police judiciaire n'a pas droit à l'erreur. Alors, ils vont abattre une quantité de travail phénoménale. En quelques semaines, la PJ va interroger 700 personnes. 700 personnes. 700 personnes, à tel point, les policiers vont ratisser tellement large qu'ils vont même solutionner des enquêtes sur lesquelles ils ne travaillaient pas au départ, des affaires de pédophilie et même des affaires de meurtre. Par hasard. Par hasard. Les policiers commencent par une enquête de voisinage, classique. Ils frappent une par une à toutes les portes du quartier. Le lendemain, il y avait 2 policiers là devant la porte qui nous ont demandé si on avait remarqué quelque chose hier soir. Les Dils n'ont rien à signaler. Mais dans l'encadrement de la porte derrière sa mère, les policiers sont intrigués par Patrick, un adolescent de 16 ans, qui a les mains bandées et tachées de rouge. Il explique qu'il fait une allergie qu'il soigne à la teinture d'iode. Les policiers sont convaincus par l'explication et continuent leur tournée. Il est un fait que tout le monde était un peu fermé. C'était très difficile au départ de faire parler les gens puisqu'il y avait à la fois un silence respectueux, une peur et en même temps toujours la crainte des journalistes et des gens qui venaient pour essayer de savoir ce qui avait pu se passer parce qu'on était tout de même dans une atmosphère où il m'a semblé dès le départ que c'était dans le voisinage que l'on voyait que les choses avaient pu se passer. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Metz. L'inspecteur Bernard Varlet est désigné par sa hiérarchie comme directeur d'enquête. C'est un spécialiste du grand banditisme. C'est à lui que reviennent souvent les grandes affaires de la région. Alors, l'inspecteur Varlet, c'est, je dirais, un flic de la vieille école. C'est un policier qui, ici, en Lorraine, en Moselle en tout cas, jouit aujourd'hui encore d'une grande considération. C'était ce qu'on appelait un bon flic. Il était réputé pour son flair, pour sa ténacité. Un policier qui accrochait et qui ne lâchait jamais prise. C'était pas quelqu'un qui faisait ce métier-là simplement parce que il est payé pour ça. Non, il s'intéressait d'une manière très, très profonde au travail qu'il faisait et il savait en parler. Que s'est-il passé sur le talus ? L'autopsie établit que les enfants ont été tués la tête écrasée à coups de pierre. Mais il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Alexandre et Cyril sont morts côte à côte sans aucune trace de fuite. Pouvaient-ils connaître leur agresseur ? Auraient-ils pu être témoins de quelque chose qu'ils ne devaient pas voir ? Lorsque je suis arrivé à Strasbourg avec les corps des 2 petits-enfants, la première des choses que j'ai demandé que l'on fasse, c'était de passer au rayon les corps des enfants parce que nous avions laissé entendre que les enfants avaient assisté à un trafic de stupéfiants sur le talus et qu'ils auraient pu être tués par balles par des trafiquants. Ensuite, on a aussi eu un autre témoignage selon lequel la mère d'une des victimes aurait eu un amant et qu'elle rencontrait cet amant-là sur le talus. Ayant pu être surpris donc par les enfants, l'amant aurait tué les enfants pour pas qu'on le sache. Bon, ça a été éliminé aussi. On a passé un temps fou sur des bêtises, mais qu'il fallait quand même faire. En croisant les premières constatations du médecin légiste, qui se rend sur les lieux du crime dans la soirée, et les premiers témoignages des riverains, les policiers estiment que le double crime a eu lieu entre 17h30 et 18h30. Mais un couple du quartier qui a participé aux recherches le soir du drame dit avoir entendu des pleurs d'enfants un peu avant 19h. Seulement voilà, dans la panique générale, les policiers ont oublié de noter leur nom et leur adresse. 2 jours après le meurtre, l'inspecteur Bernard Varlet reçoit un étrange appel. Alors, le soir de l'autopsie, donc le mardi soir de retour à Metz, vers 22h, le secrétariat m'informe qu'une personne désire me rencontrer à 23h, seul. Ce n'est pas le rôle ni l'habitude de la police judiciaire de se rendre seul à ce genre de rendez-vous. Donc j'y vais avec un de mes collègues. Là, je rencontre une personne que je connais, personne digne de foi,
qui m'indique que dans le cadre de l'affaire de Montigny, il serait intéressant que je m'intéresse à Dils, sans précision. Les Dils sont de proches voisins des Beckrich. Le 1er octobre, toute la famille Dils est placée en garde à vue. Les policiers passent directement chercher Patrick au restaurant où il est apprenti cuisinier. Ils l'interpellent en même temps que l'un de ses camarades de cuisine qui aurait été vu l'après-midi du crime sur le talus. Enfin, moi, je me rappelle personnellement, ils ont voulu nous mettre les menottes pour y aller, quoi. Et on ne voyait pas trop l'intérêt des menottes, quoi. Donc, ils nous ont mis quand même du restaurant jusqu'à la voiture, quoi. Pour éviter de se sauver et tout. Bon, je sais pas si c'était une façon de nous essayer de nous faire peur ou de nous impressionner ou j'en sais rien. Enfin bref, ils nous ont emmenés et ils nous ont interrogés toute la journée, quoi. Au moment de l'interpellation, Patrick Dils demande à son copain de ne surtout pas dire que le soir du crime, il était près du talus en train de fouiller dans les poubelles d'une entreprise à la recherche de timbres pour sa collection. D'ailleurs, sa mère s'est bien gardée de le dire aux policiers quand ils sont venus chez elle. On était une famille... Comme les autres. Disons comme les autres, on revenait de notre résidence secondaire dans la Meuse. On ne pensait à rien, on était insouciant, on avait passé un bon week-end là-bas. Et c'est là qu'on a peut-être eu le tort de ne pas dire que Patrick a été de ce soir-là à la benne de l'entreprise chercher des timbres. Le dimanche 28 septembre, jour du crime, les Dils sont dans la Meuse, où ils possèdent une petite maison. Ils rentrent à Montigny vers 18h45, à la tombée de la nuit. Pendant que ses parents déchargent la voiture, Patrick va, comme il en a l'habitude, fouiller dans la benne à ordures de l'entreprise voisine à la recherche de timbres. La benne est juste en face du talus. Combien de temps s'est-il absenté? Son père et sa mère ne donnent pas la même version. L'un dit quelques instants, l'autre environ un quart d'heure. Madame Dils dit que son fils s'est absenté quelques secondes et que lorsqu'il est revenu, ils étaient encore en train de décharger la voiture suite à leur retour de la Meuse, alors que M. Dils-Jean dit lorsque mon fils est parti, il s'est absenté pendant 15 à 20 minutes, et quand il est revenu à notre domicile, nous étions déjà passés à table. Ben, c'est toujours la même chose. Si on avait donné le même temps, on aurait dit que c'était concerté, qu'on n'avait pas le même temps, ben on a dit alors, que les Dils, ils ont voulu noyer le poisson, alors que c'est faux. L'inspecteur Varlet reste intrigué par ces déclarations contradictoires. Donc, si vous voulez, tout ça entre dans une logique qui fait penser qu'il peut y avoir quelque chose, qu'il peut avoir eu maille à partir dans cette affaire. Mais on ne peut pas le dire avec certitude. L'inspecteur Varlet fait part de ses soupçons au juge. Pourtant, Patrick Dils a un alibi. Il ne rentre de la Meuse qu'à 18h45. Or, en principe, à cette heure-là, les enfants sont déjà morts. Mais Bernard Varlet espère toujours retrouver le couple de témoins de 18h50. Nous savions qu'il y avait un témoignage qui disait que les enfants avaient été entendus en train de pleurer aux alentours de 18h50, 18h55. Ce témoignage-là, n'ayant pas été acté par procès-verbal, on ne pouvait pas en faire état. Donc, la raison voulait que l'on remette Patrick Dils en liberté en attendant de retrouver ce couple et d'acter leur procès-verbal, par procès-verbal l'information qu'ils nous donnaient. Quatre jours après le double meurtre, Bernard Varlet envisage d'avoir trouvé le coupable. Si ce témoignage-là avait pu être acté, si le fonctionnaire de police avait fait son travail correctement, avait relevé le nom de ce couple, quatre jours après, l'affaire de Montigny, à mon avis, aurait été terminée. Voici une photo aérienne des lieux du crime. Le crime a eu lieu ici, sur ce qu'on appelle le talus, entre 17h30 et 18h30. Patrick Dils, lui, rentre de la campagne à 18h45 et se rend directement ici, dans cette benne à ordures qui se trouve derrière une usine. Et c'est dans cette benne qu'il recherche des timbres pour alimenter sa collection. Il est de retour chez lui à 19h. Il a donc passé 15 minutes à cet endroit-là. Matériellement, le crime 17h30, 18h30, Patrick Dils 18h45, 19h. Matériellement, Patrick Dils n'a pas pu tuer les deux enfants. Sauf qu'un couple qui habite par ici, à travers sa fenêtre ouverte, a entendu des cris et des pleurs d'enfants venant du talus, ici, aux alentours de 19h.
ce qui contredit bien entendu les conclusions des policiers et des légistes sur l'heure de la mort. Dans ce cas-là, néanmoins, si à 19h les enfants pleuraient encore, Patrick Dils a pu parfaitement commettre le crime. Pour faire de Dils un coupable, l'inspecteur Varlet doit donc retrouver impérativement ce couple de témoins. L'enquête continue. Des témoignages viennent ouvrir quelques pistes. On cherche une Fiat Panda de couleur claire, puis un vélo d'adulte avec des sacoches grises vu en stationnement rue Venizelos. La police demande l'aide de la population, y compris celle des parents des victimes. Comme je me promenais avec mon travail, consistait à circuler en ville en autobus, chaque fois que je voyais le modèle de voiture demandé, à un arrêt, je notais le numéro de voiture de la voiture, numéro d'immatriculation de la voiture. Et tous les deux jours, je me rendais au poste de police voir Varlet et ses adjoints et je leur donnais la liste. Des individus d'allure bizarre sont signalés. Les milieux marginaux sont passés au crible. On regarde les registres des hôpitaux psychiatriques. En tout, près de 700 personnes sont interrogées. Une cinquantaine sont placées en garde à vue, mais toujours pas de coupables. Ils ont suivi beaucoup, beaucoup de pistes et la plupart s'effilochaient après vérification. Et on sentait chez eux un accablement qui grandissait au fur et à mesure que les semaines passaient et qu'ils n'arrivaient pas à trouver l'explication de ce meurtre et également le coupable. Courant décembre, l'inspecteur Varlet veut réentendre Patrick Dils. Il passe le chercher au restaurant et le place une nouvelle fois en garde à vue. Sans résultat. On sait jamais, hein, vous savez, il peut se passer un déclic. C'est pas. Si on ne le faisait pas, on nous aurait dit pourquoi vous ne l'avez pas revu entre-temps. Comme il fait toujours partie des gens qui nous interpellent. Quelques jours avant, pourtant, les policiers avaient arrêté un homme qui avait avoué. La grand-mère Beckrich, donc la grand-mère d'une des petites victimes, nous a informé qu'elle avait croisé Henri Leclerc, qu'elle connaît depuis plusieurs années, et que celui-ci ne l'a pas salué, ne l'a pas regardé. Donc pour vous dire quand même que l'on va assez loin dans nos recherches. Bon, moi j'étais assis là contre une armoire. Bon, il y avait un inspecteur là, il y avait un inspecteur là, et l'inspecteur Barlet. Bon, et tous les trois se mis contre moi pour me faire cracher le morceau, pour dire qu'est-ce que j'ai fait. Et je dis, moi, j'ai rien à faire, j'ai la conscience tranquille, j'ai pas tué les gauches, je les connais même pas. C'est une personne qui est très fragile psychologiquement, qui nous avance certains éléments, il connaît les lieux, il connaît la famille, il lit les journaux, et il nous raconte un certain nombre de choses. J'en avais marre, hein. Bon, j'en avais assez, bon, puis j'ai craqué, parce que j'étais au bout du rouleau. Hein, alors, j'ai dit n'importe quoi, hein, pour qu'ils me foutent la paix. On fait, non pas une reconstitution, comme il a été dit, mais un transport de police sur les lieux, et là, on s'aperçoit qu'en aucun cas, il ne peut être l'auteur de ce meurtre. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous frappe? Bah, déjà, il a du mal à marcher, il a du mal à monter le fameux talus. Déjà, nous, on a du mal avec la corde de pompier à monter dessus. Donc, il y a différentes raisons qui font qu'il est éliminé de... dans cette affaire-là, et que ce n'est pas lui l'auteur de ce double meurtre. Dans la foulée, un autre homme, entendu à Thionville pour des affaires de mœurs, s'accuse à son tour du double crime. Mais ses déclarations sont loufoques, c'est un affabulateur. 7 mois après le meurtre, on retrouve enfin, un peu par hasard, le fameux couple témoin de 18h50. Madame Andrieux, qui était présente lorsque ce couple a fait part de ce qu'ils avaient entendu aux fonctionnaires de police, reconnaît dans la rue ces gens-là et leur dit « Mais dépêchez-vous, la police vous cherche, votre témoignage est important. » Le couple habite une maison à une centaine de mètres face au talus. La jeune femme Isabelle Deschamps confirme avoir entendu des pleurs un peu avant 19h. Des cris apeurés, dit-elle, d'un gosse qui semblait perdu dans le noir. Intriguée, elle est descendue un peu plus tard, avec son compagnon, participer aux recherches menées par les parents. Lorsque ce témoignage-là sera enregistré, que des enfants poussent des cris d'enfants apeurés vers 18h50-55, il est logique de penser que c'est bien le petit Bénin et le petit Beckrich, puisque Madame Deschamps dit que c'était en direction du talus.
qu'elle entend les cris. Donc ça déplace l'heure de la mort. Ce témoignage-là, pour nous, est quand même d'une importance capitale. Puisque Patrick Dils, si on en revient toujours à lui, il arrive vers 18h35, 18h40, donc il a le temps matériel d'aller là-bas. Le lendemain, 28 avril, Patrick Dils est arrêté et, une fois de plus, placé en garde à vue. On va reprendre le fil de ces longues années. Ouais. Bon, vous êtes entendu une fois, puis deux fois par les policiers. Ouais. Vient la troisième fois. Vous croyez qu'à ce moment-là, l'inspecteur Varlet et les policiers qui sont autour de lui sont déjà convaincus que vous êtes coupable ? Je pense qu'ils l'ont été très vite. Parce que s'ils ne l'avaient pas été, il n'y aurait pas eu cet acharnement qui a pu en découler. Comment se comporte, lorsque vous arrivez dans les locaux de la police, l'inspecteur Varlet ? Ben, je dirais avant tout, il est dans son domaine, il est dans son univers. Donc il se sentait, à mes yeux, fort. Et puis bon, ben, il avait affaire à un enfant qui était en face de lui. Un enfant, et de surcroît, un adolescent. Je me considère même pas comme un adolescent, plutôt comme un enfant, mais introverti. Et puis, on ne peut pas oublier une chose qui est, à mes yeux, très importante. Je ne sortais pas d'une banlieue. J'avais des valeurs de la vie très simples que mes parents m'avaient inculquées. Le respect mais très carré. Mais très carré. Le respect du monde des adultes, le respect de l'autorité. Et là, je me retrouvais dans un univers d'adultes et en plus où régnait l'autorité. Donc, complètement, encore une fois, dépassé par les événements. Comment vous le trouvez, Varlet ? Parce que dans votre livre, vous avez des mots assez durs pour lui. Durs. Je ne sais pas s'ils sont réellement durs, mais ils sont à la hauteur de ce que j'ai vécu. J'ai eu l'occasion de le dire à différentes reprises. Moi, je ne parle que de ce que j'ai connu. Peut-être que cet inspecteur a été un homme remarquable dans différentes enquêtes, mais en tout cas, dans l'enquête qui m'a emmené par la suite en prison, il a complètement dérapé. Comment il agit avec vous, au commissariat ? Je dirais qu'il y a eu deux personnages clés au niveau de cette arrestation et puis de cette mise en garde à vue. Il y a eu l'inspecteur Varlet. Je le considérais comme quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de déterminé, qui m'impressionnait, qui me faisait peur d'ailleurs. Et puis bon, mais il est venu après, entre autres, puisqu'ils se sont relayés par différents inspecteurs, mais il y a eu l'inspecteur Marcheguet. Alors, lui était complètement différent de l'inspecteur Varlet. Mais je dirais, il était plus vicieux, beaucoup plus vicieux. C'est-à-dire ? Même parce qu'il a été, sournois, il y a été par les sentiments. Il était amical avec vous ? Il a essayé d'être amical. Il a commencé à me parler, de me parler des choses, si vous voulez, qui me tenaient à cœur, de mes parents, de mon travail. Et puis, il a commencé à me faire parler. Et puis après, comme je le raconte très bien dans le livre, mes coups de garçon. Tu te souviens pas ce que tu as fait pendant ces 10 minutes ? Tu sais, 10 minutes, c'est très très long. Alors, c'est une mise en condition. C'est pas quelque chose qu'on va... c'est pas une ambiance qui va se créer en l'espace de quelques minutes. Pour pouvoir en arriver à une situation telle, il y a eu quelque chose qui a vraiment été construit. C'est pas quelque chose qui a été voulu de ma part, absolument pas. Moi, ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Patrick Dils va être interrogé deux fois dans la journée. Une première fois dans l'après-midi pendant 3 heures, puis encore une heure dans la soirée. L'adolescent ne change rien à ses précédentes déclarations. Son comportement semble normal. Il est très calme. Très calme, il n'est pas remuant, il demande rien, Il a l'air inquiet ? Même pas. Même pas. Il n'a pas l'air inquiet. Il est calme, il est détendu.
Rien de particulier dans son attitude. Après une nuit passée en cellule, un policier vient chercher Patrick Dils pour un nouvel interrogatoire. Mais d'abord, il l'emmène au réfectoire prendre un petit déjeuner avec les policiers. Petit déjeuner qui va durer 3 heures. On peut nous reprocher ça, de l'avoir mis en confiance de 7h du matin à 10h du matin, quand il est dans la salle de repos en train de boire son café. Au lieu d'être dans la salle dans une cellule au commissariat, il est dans une salle de repos à la police judiciaire. Il a un fauteuil, il a du café, il a des croissants, où il peut discuter des choses et d'autres. Donc là, il est au repos, mais il discute de beaucoup de choses. Ce qu'on appelle la mise en confiance. Et ça marche. Entre deux croissants, Patrick Dils sympathise avec deux inspecteurs. Patrick Marcheguet lui parlait de pierres, comme il dit, Patrick Dils aimait les pierres, il parlait de pierres, de choses et d'autres. Quoi. Et donc, à 10h, M. Marcheguet vient me dire qu'il vient d'admettre qu'il s'était rendu sur le talus et qu'il avait vu les vélos en bas de ce talus. Patrick Dils est immédiatement conduit dans le bureau de l'inspecteur Varlet. Et d'un coup, il passe aux aveux. À partir du moment où il s'explique sur ce qu'il a fait le soir-là, on le laisse parler. Et notre crainte, c'est que le téléphone intérieur sonne, que quelqu'un rentre dans le bureau et coupe le fil de cette audition. Ça, c'est notre crainte de tous les moments. Vous voulez dire par là qu'à partir du moment où il commence à parler, il parle pendant des heures? Oui, non, pas, oui, pendant 2h30, où il s'exprime sur ce qui s'est passé. Ça sort Ça sort d'un seul morceau, comme dirait quelqu'un. Ça vient tout seul, quoi. J'ai remarqué deux garçonnets sur la droite des voies ferrées. J'ai immédiatement reconnu l'un des deux comme étant un petit voisin, Alexandre Bécriche. Le deuxième, je ne le reconnaissais pas. Je me tenais derrière eux. Je suis certain qu'Alexandre m'a vu et reconnu. Je les ai suivis. J'ai emprunté le même chemin. Les enfants ont encore parcouru une dizaine de mètres. Puis je les ai rejoints. C'est à ce moment-là que, pour une raison que je ne m'explique pas, j'ai ramassé une pierre que je tenais dans ma main droite. Je me suis rapproché de l'enfant que je ne connaissais pas. Je lui ai donné un coup avec la pierre suffisamment fort pour qu'il tombe. Celui-là ne disait plus rien. Par contre, Alexandre poussait des cris de frayeur. Il ne bougeait plus comme s'il était paralysé. Il criait fort. Cela m'a affolé. J'ai ramassé une autre pierre. J'ai frappé Alexandre à peu près au milieu du front pour le faire taire. Il est tombé à environ 1,50 m de son copain. J'ai ramassé une grosse pierre. J'ai frappé à 3 ou 4 reprises sur la tête et le haut de la poitrine de l'enfant que je ne connaissais pas. J'ai également frappé sur la tête d'Alexandre à 3 ou 4 reprises. Le bruit que cela faisait était comme le bruit d'un melon que l'on écrase. Il est calme, il explique à la limite comme s'il avait été à son travail et qu'il était rentré le soir, comme si rien de particulier ne s'était passé. Patrick Dils raconte qu'après le crime, il est rentré chez lui, qu'il a monté 4 à 4 les étages, qu'il s'est mis ensuite en pyjama avant de se laver les mains. L'eau était mélangée de terre et de sang, cette eau était de couleur rose. Il aurait ensuite rejoint ses parents à table, comme si de rien n'était. On est quand même estomaqué des détails qu'il donne, des précisions sur certaines choses que nous ignorions. Et on est surtout surpris de voir un enfant de cet âge-là parler aussi simplement d'un double meurtre. À l'étage en dessous, les policiers interrogent le copain de Patrick, Thierry Crisman. Au bout d'un quart d'heure, il y a un des inspecteurs qui était là, qui est descendu, qui m'a regardé, qui m'a dit « Bon, bah, écoute, il me dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. » J'ai dit « Ah bon ?» Il me dit « Bah voilà. » Il me dit « La mauvaise nouvelle, il me dit, c'est qu'il a dit qu'il n'était pas tout seul. » Il me dit « Et la bonne nouvelle ?» Il me dit bah, « C'est que tu ne vas pas rentrer chez toi tout de suite aujourd'hui. » Je dis « Ah bon ?» Et je dis « Pourquoi ?» Il me dit bah, « Étant donné qu'il a dit que tu étais avec lui, il me dit « Tu vas rester un petit peu et il me dit va falloir qu'on en rediscute et tout. » Donc il m'a fait gentiment comprendre que j'étais complice, quoi. Donc là, bah, j'ai quand même tombé en pleurs parce que ça fait un coup quand même, quoi. Et il m'a laissé pleurer, je sais pas, bon, pour moi ça paraît très long, quoi, mais bon, on va dire, je sais pas, une quinzaine de secondes. Et il est venu, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Mais non, c'était pour rire, je plaisante. » Il m'a dit que t'étais pas avec, il me dit « On va te ramener chez toi. » À partir de là, en principe, Patrick Dils doit être déféré devant le juge d'instruction. Mais les policiers, par précaution, de peur que ses aveux hallucinants ne soient contestés, refont entendre Patrick Dils par un inspecteur de la brigade financière qui ne connaît pas l'affaire. Et Patrick répète ses aveux avec encore plus de détails. Nous a téléphoné de venir à l'hôtel de police un soir.
n'y a que moi qui a pu voir Patrick. Et là, Patrick m'a dit, maman, c'est moi qui a fait le coup. J'ai voulu lui poser je lui ai répondu, mais t'as été interrogé tellement longtemps que t'es capable de dire n'importe quoi. Je voulais encore lui poser la question, mais explique-moi comment que ça s'est passé. Il y a au moins 4 inspecteurs qui l'avaient empoigné et il avait prestement sorti de la pièce. Et son père était dans le couloir, il n'a même pas pu dire bonjour ni rien du tout à son père. On va en venir maintenant donc à ce moment très particulier où vous avouez. Oui. On a bien compris que vous n'aviez pas la force à cet âge-là de dire non aux questions qu'on vous posait. De tenir tête. Hein. Mais vous donnez des détails que personne ne vous demandait. Il y a une phrase qui est terrible dans votre PV d'aveu. Le bruit du crâne ressemblait à celui d'un melon qu'on écrase. D'où vous sortez ça? Ces détails, s'ils sont aussi justes et aussi vrais, c'est tout simplement parce que c'est des éléments qui, d'une certaine manière ou d'une autre, m'ont été communiqués. Alors comment? Il y a plusieurs façons de pouvoir communiquer des détails. Hein. Mais à mon égard, on a agi de 2 manières bien précises. La première, c'était les réponses se trouvaient très souvent dans les questions posées. Et puis, pour d'autres détails, au niveau, je dirais, emplacement des corps, emplacement des wagons, lampadaires, etc., eh bien, il y avait un plan qui se trouvait au dos du bureau, enfin, au dos de l'inspecteur Varlet, sur le mur. Il nous suffisait simplement de lever les yeux et les questions qui m'étaient posées, la réponse se trouvait au mur. Donc, à ce moment-là, n'importe qui peut devenir le coupable idéal. Il ne suffit pas de s'appeler Patrick Dils pour devenir un coupable. Il suffit de dire le plan. Ben voilà. D'avoir les photos, d'avoir un espace, d'avoir un lampadaire. Il y avait combien de wagons? 1, 2, 3, 4. 4. Il y avait combien de voies? Voilà, il suffit simplement de regarder et puis de dire ensuite. Mais ce qui est très troublant, c'est que, une fois de plus, que vous ayez fait des aveux dans ce contexte, on le comprend, mais vous les répétez à votre maman. Vous lui dites, maman, c'est moi qui l'ai fait. Avant, il faudrait peut-être, pour bien comprendre comment qu'on en arrive à cette situation, il faudrait d'abord dire comment mes parents sont amenés à l'apprendre. Lorsque je viens à dire la phrase magique, je dirais pour les inspecteurs, celle qui est abominable pour moi, oui, ben, c'est moi. Eh bien, l'inspecteur Varlet a tout simplement dit, bon, maintenant il va falloir le dire à tes parents. On fait comment? Tu préfères qu'on le dise nous-mêmes ou tu veux le dire toi-même? Eh bien, même si j'étais peut-être stupide, si j'étais pas très éveillé, j'avais quand même un petit peu de réflexion, un tout petit peu. Et je préférais le dire moi-même. Pourquoi? Ben parce que je pensais qu'on allait me laisser quelques instants, même pas une minute peut-être, mais quelques instants avec mes parents. Et qu'en étant avec mes parents pendant ces quelques instants, je pourrais leur dire, écoute maman, mais c'est que des conneries, on ne m'a pas laissé tranquille, j'aurais pu leur dire la vérité. Malheureusement, je me suis encore une fois bien trompé. Parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mes parents sont effectivement arrivés. Ce ne sont même pas mes parents que j'ai vus, c'est uniquement ma mère. Mon père, on l'a carrément mis à l'écart dans une salle d'attente. Et quand ma mère est arrivée dans ce bureau, j'ai pas eu le temps de dire bonjour maman, j'ai pas eu le temps de l'embrasser, j'ai eu le temps de rien faire. L'inspecteur Varlet a dit « Allez, vas-y, dis à ta mère ce que tu nous as dit. » Et puis, maman, oui, c'est moi qui ai fait le coup, c'est moi qui ai tué les gosses. Enfin, je sais plus, c'est une de ces deux phrases-là que j'ai été amené à lui dire. Et ma mère a, d'un élan qui s'est sorti du cœur, « Écoute, mais Patrick, on t'a fait dire n'importe quoi. » Elle a pas eu le temps de continuer, que j'étais déjà plus dans le bureau. Et je me souviens très bien qu'à un moment donné, je passe devant une salle d'attente où se trouvait mon père. Mon père m'a regardé avec le désespoir. Il aurait voulu me prendre dans ses bras, il aurait voulu me montrer qu'il était là. J'ai pas eu le droit de l'embrasser. J'ai pas eu le droit de lui parler. On me tenait par les bras et puis on m'a amené dans un autre bureau pour continuer ses interrogatoires. Le lendemain des aveux, l'inspecteur Varlet prévient les parents des victimes.
Alors il me dit, voilà, c'est Patrick Dils qui a avoué, qui a tout avoué, comment il a tué les enfants. En long et en large, et tout, dans tous les détails. Alors de ça, je lui dis, dites, monsieur Varlet, vous vous êtes pas trompé des fois. Vous vous êtes pas trompé, monsieur Varlet. Oh, mais il dit, dites, madame Beckrich. Non, mais je lui dis, attendez, moi, je vais donner des bons masques, ça, quand il était petit. Un voisin, que tu as un autre voisin. Hein? Et alors, c'est pas croyable, ça. Le 30 avril, Patrick Dils avoue pour la troisième fois devant la juge d'instruction en présence d'inspecteurs de police. Là encore, la juge est frappée par le calme, la précision et la politesse de l'adolescent qui tient absolument à lui serrer la main à la fin de l'audition. Patrick Dils est inculpé de meurtre. Patrick Dils est inculpé de meurtre. Même si on a pensé, c'est bizarre, si jeune, c'est une affaire incompréhensible. Toutes les questions se sont posées, mais en même temps, on était soulagés de savoir qu'on avait trouvé un coupable. Patrick Dils est un enfant de Montigny. Tout le monde est très vite au courant. Ceux qui le connaissent n'en reviennent pas. C'était une incompréhension totale. Lorsqu'on l'a dit à la télé la première fois et qu'on n'a pas donné le nom tout de suite, je me souviens avoir dit à mon mari, je connais bien un jeune qui habite dans cette rue. Mais ce n'est pas possible que ce soit lui, parce qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Bah, disons que moi, je suis plus tombé des nues, parce que je ne m'attendais pas jamais à un truc comme ça. Disons qu'entre la période où c'est arrivé et la période où on a été interrogé, il y a quand même une paire de mois qui y sont passés, qui se sont écoulés, et on se voyait quand même tous les jours. On allait travailler tous les jours. Et je ne l'ai jamais trouvé, moi, vraiment changé, quoi. Oui. Jamais. Si ça aurait été lui, bon, à un moment ou l'autre, il aurait là, je sais pas, on aurait remarqué quelque chose. On le voyait tous les jours, on n'a jamais rien. Comment imaginer qu'un adolescent si bien élevé et si réservé ait pu tuer deux enfants de sang-froid, lui qui collectionnait les timbres-poste et les minéraux? Voilà la chambre de Patrick qu'il a occupée avant de partir, d'être enlevé de chez nous. Voilà sa chambre, sa collection de minéraux. Mais on était très mal, mais on ne comprenait pas qu'est-ce qui nous arrivait. Et pourquoi Patrick? Quelqu'un de très calme, timide, et puis posé, quoi. Il rentrait, il faisait ses maquettes, ses petits puzzles. Il sortait très rarement. En général, quand il sortait, c'était pour aller travailler. À 16 ans, Patrick Dils est un adolescent un peu ingrat. Avec son 1m80, à l'école, on le traite de fil de fer. Et on se moque de ses cheveux roux. Patrick se tait, et petit à petit, il se coupe des autres. Je crois que l'ambiance a fait de Patrick Dils, qui est un garçon extrêmement timide, très renfermé, manquant d'expression, on l'a fait passer un peu comme un garçon un peu simplet, un peu renfermé, et on s'est dit, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce visage de quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, donc on a dit, il y a quelque chose. Après sa comparution devant le juge d'instruction, Patrick Dils rencontre son avocat. Mais dès le premier rendez-vous, voilà qu'il revient sur ses aveux. Maître Becker ne le croit pas. Et il m'a dit, je suis innocent. Mais il m'a dit, je suis innocent, comme s'il m'avait dit, monsieur, j'aimerais un verre d'eau. Quand quelqu'un est innocent, généralement, pardonnez-moi l'expression, il gueule son innocence. Il est très nerveux, il refuse ce qui arrive. Là, nous avions un garçon passif, étranger. Si tu es innocent, pourquoi tu as dit que c'était toi? Pas de réponse. Pas de réponse du tout. Un garçon muré, enfermé dans son silence. Quelques jours plus tard, Maître Becker accepte donc que son client participe à la reconstitution. J'ai passé une nuit blanche en me demandant est-ce que je dois refuser cette reconstitution, dicter la conduite de Patrick en lui disant « tu ne montes pas sur le talus » ou au contraire le laisser faire pour forger ma conviction. Pas celle du dossier, pas celle du magistrat,
pas celle de l'inspecteur, Varlet, la mienne. Et après cette nuit de veille, qui était véritablement une passe d'armes, j'ai décidé de lui dire, Patrick, refais ce que tu as fait ce jour-là, le jour où les deux enfants de Montigny ont été tués. Pas plus, pas moins. Dès 6 heures ce matin, le quartier de la rue Venizelos à Montigny-les-Metz était totalement bouclé par la police. En cet endroit, au sommet de cette butte, voie de garage de la SNCF, le 28 septembre dernier, un dimanche, on retrouvait les corps ensanglantés de deux jeunes garçons de 8 ans, Alexandre et Cyril. La reconstitution a lieu une semaine après les aveux, sous la houlette du juge d'instruction Mireille Agnès Maubert. En plein jour, Patrick Dils porte un casque et un gilet pare-balles. Le gilet pare-balles, c'est parce que des menaces avaient été proférées à son encontre. Le casque, c'est pas pour le protéger, il avait un casque de motard. N'importe quelle balle traverse un casque de motard. Il avait un casque sur la tête, c'est pour éviter que les journalistes ne le prennent en photo, parce qu'il était mineur. Patrick Dils refait le parcours qu'il a décrit dans ses aveux. Comment il est monté sur le talus, comment il a suivi les enfants. Il refait les gestes du meurtre. Il va même jusqu'à prendre les pierres et à les écraser sur les têtes des mannequins. Seulement problème, il situe la scène à plus de 40 mètres des lieux du crime. C'est un des points essentiels de la condamnation de Patrick Dils. Lorsque Patrick Dils a fini de mimer la scène de crime qui tue les enfants, il pose la grosse pierre, il relève la tête. Il se tourne vers son avocat et lui dit « Ben non, c'est pas là que j'ai tué les enfants. Parce que quand j'ai relevé la tête, devant moi, il y avait un bosquet. » On emmène alors Patrick Dils sur les lieux exacts du crime. Mais il dit qu'il ne reconnaît pas l'endroit. Être incapable de situer le lieu du crime avait mis en moi non seulement un doute, mais une quasi-certitude de son innocence. La reconstitution se poursuit. Patrick Dils mime sa fuite, sa descente du talus après le meurtre, son retour à la maison où il monte les étages, se met en pyjama, se lave les mains et descend retrouver ses parents dans la cuisine. Troublant. Vraiment troublant. Lorsque dans la cuisine, il refait le geste, il se retrouve pour la première fois depuis son arrestation chez lui, à son domicile, avec ses parents. Et là, pour la première fois, j'ai vu qu'il s'était mis à pleurer. La reconstitution se termine. Pour tous, Patrick Dils vient une nouvelle fois de passer des aveux. Convaincants, même s'ils comportent des manques. Patrick Dils n'a pas mentionné la poutre qui se trouvait entre les deux enfants, ni le fait de s'être essuyé les mains contre un wagon comme l'a sans doute fait le meurtrier, ni le pantalon baissé de l'une des deux petites victimes. Mais à aucun moment, il ne s'est révolté. Aucun geste de dépit, de colère, de dire « c'est pas moi ». Moi, j'ai vu des gens qui refusaient de faire une reconstitution parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas l'auteur. Il fallait voir comment ils étaient. Hein. C'était fou furieux. Là, d'un calme. Comme tout cela est troublant. L'après-midi même, Patrick Dils comparaît une nouvelle fois devant la juge d'instruction. Elle lui présente l'arme du crime, les quatre pierres. L'adolescent désigne celle avec laquelle il aurait tué Cyril, puis celle qui lui aurait servi pour Alexandre. Enfin, la troisième pierre, très grosse, avec laquelle il dit avoir achevé les enfants. Mais il écarte la quatrième pierre, un galet plein de sang. Devant l'insistance de la juge, il affirme ne pas s'être servi de cette pierre. Un mois plus tard, les résultats de laboratoire confirmeront la justesse de ses choix. La pierre écartée n'a effectivement pas servi, elle a juste été éclaboussée par des projections de sang. Le 15 mai, Patrick Dils réitère encore ses aveux devant le juge d'instruction. L'adolescent est enfermé à la prison de Metz. C'est là qu'il rencontre, fin mai, pour la première fois, des psychiatres. Une fois de plus, il leur raconte comment il a tué. Il m'a fait l'impression d'un grand adolescent, ayant du mal à verbaliser, mais s'animant au fil de l'entretien. J'ai eu l'impression d'une grande disharmonie relationnelle, de quelqu'un qui n'avait que 16 ans, mais dont on pouvait s'imaginer que peut-être l'avenir psychiatrique était en jeu. Un espèce d'adolescent
pas encore grand, plus du tout petit, mais qui était très très soumis à ce que je pouvais attendre de lui, à ce qu'il pensait de ce que je pouvais attendre de lui. Un jeune homme bloqué, timoré, mais paradoxalement, lorsqu'il me parlait des faits, il le faisait avec une précision, j'allais dire meurtrière, une précision vraiment très grande, comme si il récitait une leçon. Nous sommes le 29 mai. Depuis ses premières confessions au policier Varlet, il y a un mois, Patrick Dils a avoué 8 fois au total, devant autant d'interlocuteurs différents. Mais soudain, le 30 mai, un mois exactement après son arrestation, il se rétracte. Il écrit une lettre à son avocat, il nie maintenant avoir tué Alexandre et Cyril. Maître Becker transmet la lettre 15 jours après au juge d'instruction qui entend immédiatement Patrick Dils. Mireille Agnès Maubert est stupéfaite. Quand elle demande à Patrick pourquoi il a donné des précisions que seul le meurtrier peut connaître, il se borne à répondre « J'en sais rien, pourquoi j'ai dit ça ?» La chambre d'accusation de Metz reste convaincue qu'il est coupable et le renvoie devant la cour d'assises des mineurs. Patrick va attendre son procès en prison pendant 2 ans. 2 ans sans voir sa famille. Ses parents sont interdits de parloir car la juge est convaincue que sa mère savait et qu'elle l'a couvert. On n'a pas pu revoir Patrick pendant 20 mois. On nous a refusé tout parloir alors qu'on a fait des pieds et des mains pour en avoir. Et pourquoi ? Ah ben, quand enfin on a eu un entretien avec la juge d'instruction, elle nous a dit « vous ne le verrez jamais ». Point final, sortez de mon bureau. Pour moi, je suis persuadé que lorsque les fonctionnaires de police sont venus dans le cadre de l'enquête de voisinage chez la famille Dils le lundi matin, ils ont posé la question à Mme Dils de savoir s'ils avaient entendu ou vu quelque chose, qu'elle a répondu non. Et je suis persuadé qu'à ce moment-là, elle savait, parce que son fils lui avait dit, ce qu'il avait fait quand il avait été sur le talus la veille. C'est faux. Et pour vous, c'est pas possible, non ? D'ailleurs, j'aurais jamais couvert un criminel. Si ça avait été lui, je l'aurais dit à la justice, à la police, à tout le monde. Jamais, jamais je l'aurais couvert. 2 ans plus tard, Patrick Dils comparaît devant la cour d'assises des mineurs à Metz. Premier procès de la cour d'assises de la Moselle, mais là on était tout au début. Le grand-père s'est précipité sur le box de l'accusé, de Dils, pour le prendre à la gorge. Naturellement, je voulais sauter sur lui. Mais il y avait les policiers qui ont fait une ceinture et puis ils m'ont ceinturé. Je ne suis pas arrivé à la porte. Je me suis approché de lui peut-être 10 minutes jusqu'à la porte. Ouais. Vous aviez une vraie haine contre lui? Qui dit qu'il n'aurait pas d'haine envers ça? On ne massacre pas des enfants qui sont en train de jouer, non? C'est à huis clos que s'est ouvert aujourd'hui le procès de Patrick. Il n'était âgé que de 16 ans, au moment où 2 enfants de 8 ans ont été assassinés à coups de pierre à Montigny-lès-Metz. Ce matin, en début d'audience, nous n'avons pu apercevoir qu'un jeune homme, mince, pâle, le cheveu roux, s'asseoir dans le box des accusés. Le procès va durer 3 jours. Sans public. Pour la première fois depuis 2 ans, Patrick Dils voit ses parents. Ben, ça nous a fait un grand choc de le revoir qu'il avait changé, il avait mûri, grandi. Ça nous a fait remuer beaucoup. L'avocat de Patrick Dils plaide non coupable, mais il a du mal à défendre un client qui ne se défend pas lui-même. Il était étranger à tout, à Metz, devant la cour d'assises. Il n'a pas dit 10 mots. Il ne parlait pas. Patrick Dils ne s'expliquait pas. Patrick Dils se contentait de dire « Je ne m'explique pas pourquoi j'ai pu donner autant de détails. » Et les témoins qui défilaient à la barre étaient finalement des témoins de moralité. C'est tout. Il a convaincu de sa culpabilité par défaut. Par défaut de protestation, par défaut d'explication. Par défaut de beauté aussi, on peut peut-être dire ça aussi. Une tension énorme m'a couvert tout ce procès, une tension qui devait atteindre son paroxysme avec le rapport d'autopsie. Un rapport rendu encore plus effroyable devant le détachement affiché de l'accusé. J'avais un sentiment de... un terrible sentiment de pile ou face. C'était ou l'acquittement ou perpétuité.
À 18 ans, Patrick Dils est condamné à la prison à vie. Les jurés ne lui accordent pas l'excuse de minorité qui aurait limité sa peine à 25 ans. Je pense que la réclusion criminelle à perpétuité était particulièrement dure. Il ne m'appartenait pas de faire un commentaire, mais au fond, moi-même, je pensais que l'excuse de minorité devait se prononcer. Alors ça, je dois dire que je n'ai à ce jour pas compris comment on pouvait de bonne foi l'exclure de cette excuse, alors que sa présence pendant 2 jours ou 3 jours au milieu des jurés faisait suffisamment démonstration, un, qu'il était mineur, et deux, que ce n'était pas le mineur le plus futé du monde. Nous, on aurait encore voulu plus, mais enfin, puisque c'est le summum des peines, eh bien, acceptons-la, qu'est-ce que vous voulez, la perpétuité, c'est bien. Mais je regrette juste une chose, qu'ils aient aboli la peine de mort. Vous pensez que vous auriez moins souffert après, s'il avait été condamné à mort ? Oui. On est rentré le plus rapidement possible pour décompresser et pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. Et pourquoi cette lourde peine. Votre attitude pendant ce premier procès surprend tout le monde. Et peut-être encore plus aujourd'hui, quand on voit comment vous vous exprimez aujourd'hui. Au moment de ce premier procès, vous ne vous défendez pas. Mais aujourd'hui, je suis à l'aube d'avoir 33 ans, et à l'époque, j'en avais 16. Et comme si une cour d'assises n'était pas assez impressionnant, comme si le fait d'être à la place de l'accusé, c'était pas assez dur, le procès a duré 3 jours à l'époque. Et durant ces 3 jours, j'ai eu une rage de dents terrible. Vous n'avez, dit un avocat, pas prononcé plus de 10 mots. Je ne sais pas si j'en ai prononcé 10 ou si j'en ai prononcé 20, mais je sais que je n'ai quasiment pas parlé. Au moment où vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, vous pensez quoi ? Rien. Ça peut vous paraître aberrant, mais vous savez, quand vous apprenez une sentence telle que moi j'ai appris à ce moment-là, j'avais à peine 18 ans, le monde s'écroule. On ne comprend rien. Lorsque j'ai quitté la salle d'audience, je me suis effondré en larmes dans les marches qui m'amenaient dans la petite pièce avant de regagner la maison d'arrêt. J'étais incapable de faire autre chose. Et puis, comme si ce n'était pas assez dur, pas assez lourd, quand je suis arrivé à la cour d'assises, après 21 mois d'incarcération, il y a une chose qu'il ne faudrait pas oublier. C'était la première fois où je revoyais mes parents. C'était lourd en émotion. J'osais à peine la regarder. Parce que je devais fixer les jurés, parce que je devais fixer la présidente. C'est une cour d'assises, ce n'est pas une cour de récréation. On ne vient pas pour s'y amuser, on ne vient pas pour... C'était de ma vie qu'il était question. Mais bon, encore trop jeune et puis incapable de pouvoir mesurer les conséquences des mots. Comment se défendre ? Parce qu'il ne suffisait pas de dire « oui, je suis innocent ». Parce que ça, à la limite, les gens n'en avaient rien à foutre. Ce qu'ils voulaient, c'était comprendre. Et ça, j'étais incapable de pouvoir le faire comprendre. Un adolescent condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans excuse de minorité, c'est pas ordinaire quand même ça. Non, c'est une peine très très lourde. C'est une peine très lourde qui est proportionnelle au dégoût et à l'indignation des gens de la région. En fait, Patrick Dils n'a que 16 ans, il est mineur, il est au sortir de l'adolescence et on ne va même pas tenir compte, on ne va même pas lui accorder des circonstances atténuantes en raison de son jeune âge. Et de son immaturité. Et de son immaturité. Pas de circonstances atténuantes, il est jugé et condamné comme l'aurait été un adulte, à ceci près que le procès se déroule à huis clos, puisque c'est un mineur et qu'on ne fait pas de publicité en France autour d'une affaire mettant en cause des mineurs. Pas de circonstances atténuantes,
pas d'excuse de minorité. C'est quoi l'excuse de minorité ? Excuse de minorité, c'est une disposition de la loi, c'est une question qui doit être posée systématiquement à une cour d'assises qui juge un mineur. Alors à l'époque, elle aurait permis à Patrick Dils d'avoir une peine maximum de 25 ans. Aujourd'hui, la loi a été réformée et elle aurait divisé par deux. Elle divise par deux la peine d'un mineur. Et il n'en bénéficiait pas ? Il n'en a pas bénéficié. Pourquoi ? Il n'en a pas bénéficié parce que je crois que les jurés étaient indignés par ce qui s'était passé. La justice, dès le départ, a été très sévère avec Patrick Dils. Il y en a d'autres comme ça, des histoires de mineurs condamnés à des peines de réclusion criminelle à perpétuité ? Alors, il y a une autre affaire qui s'est passée en France qui montre que la justice peut être encore plus sévère. Ça s'est passé en 1979, c'est à peine une dizaine d'années avant l'affaire Dils. Et là, c'est la cour d'assises de l'Oise qui va condamner un jeune de 16 ans, il a l'âge de Patrick Dils, il s'appelait Bruno, à la peine de mort pour le meurtre commis dans des conditions particulièrement atroces de sa grand-mère maternelle. Et ce garçon, Bruno, a été gracié par le président de la République de l'époque, qui était Valéry Giscard d'Estaing. Patrick Dils va donner à la prison toutes ses années de jeunesse. Désormais, sa vie de famille se limite aux visites de parloir, 3 fois par semaine. C'est très dur, hein, de rentrer dans ces murs. Le bruit des portes, le bruit des clés, les gardiens qui vous suivent, qui vous emmènent au bon endroit. Après, il faut attendre. Et puis après, enfin, vous avez un petit box pour vous où Patrick arrive. C'est très dur les premières fois. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans les prisons, c'est toutes ces portes à passer. C'est incroyable le nombre de portes qu'il faut passer. On a vu grandir en prison, au parloir. Patrick Dils entretient une grande correspondance avec ses proches. Il envoie des centaines de lettres dans lesquelles il n'évoque jamais l'affaire, juste sa vie quotidienne. Elles sont signées « L'innocent incompris ». Il n'y a aucun moment, je n'ai ressenti quand on a lu son livre et qu'on sait tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, rien n'a jamais filtré. Il n'a jamais perdu espoir. De toute façon, s'il l'a signé en... S'il signait toutes ses lettres en marquant que c'était un innocent incompris, c'est qu'il n'avait déjà pas perdu espoir au départ. Sinon, il ne l'aurait jamais marqué. En prison, Patrick est très actif. Il passe ses 2 CAP de cuisinier et de pâtissier et s'adonne avec passion aux travaux manuels. Il ne nous aura jamais raconté ses souffrances qu'il a subies en prison. Il nous parlait de ses loisirs et de son travail. Pas facile de vivre à Montigny-lès-Metz quand on est le père, la mère ou le frère de Patrick Dils. C'est quelque chose qui vous a empêché de faire des choses ou qu'on vous a fermé des portes à cause de ça ? Oui, on m'a fermé des portes, c'est sûr, mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix, on fait avec. Et ben, c'est pas le patron là, ben, ça sera un autre, c'est pas grave. Des portes professionnelles surtout ? Oui. Alors, je dis bon, ben, c'est pas grave. Et puis à l'école, c'est pareil, à l'école aussi. Bon. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école d'ailleurs. Pourquoi ? À cause de la pression et puis de tout ce que j'ai enduré à l'école. Je dis, maintenant, stop, hop, j'arrête, fini. Vous avez arrêté l'école à quel âge ? 15 ans, 15 ans et demi. À cause de cette pression ? Oui. Mais la famille est restée droite et unie autour de ses souvenirs. On a des photos de camping qu'on faisait à l'époque. La famille Dils, c'est 4 personnes soudées ensemble. Comment on est chez les Dils ? On ne cause pas beaucoup ? Non, on ne cause pas beaucoup, on est bien ensemble. C'est fini, il n'y a plus d'image de Patrick. Ça s'est arrêté à quand ? Ben, il est là, 186. Il n'y a plus de photos de lui ? Non. Il manque des photos sur l'album de famille. Mais les Dils n'ont jamais renié leur fils. Toujours marché la tête haute, même dans le quartier, j'ai toujours su que Patrick était innocent, qu'il n'a jamais pu faire un crime aussi affreux. Ah oui, toujours. Les Dils n'ont jamais voulu déménager. Pendant des années, ils ont côtoyé les parents des victimes, jusqu'à ce que ces derniers ne quitte le quartier. Ben, c'est-à-dire que quand je la voyais venir au bout de la rue, je rentrais. Je faisais mes carreaux, j'attendais qu'elle passe. J'étais en train de balayer ma cour, je rentrais dans le garage, j'attendais qu'elle passe. Ça a été comme ça. Je croise dans la rue, mais ils changent de trottoir. Ils vous ont jamais rien dit ? Non, jamais. Vous auriez aimé qu'ils me disent quelque chose ? Ben... Peut-être, je sais pas... Non, c'est aussi bien comme ça. Non, on peut pas. On peut pas mettre de côté, on y pense tout le temps.
D'ailleurs, pendant ces 15 ans, ça a été notre sujet de conversation principal. Tous les jours, on parlait de l'affaire. On a essayé de savoir le pourquoi du comment. Ça a été 15 ans comme ça. Vous voilà donc en prison et condamné. Vous avez été avant ce procès en prison, mais là, vous êtes en prison et condamné. Et dans la hiérarchie de la prison, vous êtes le der des ders. Ah oui, je suis plus bas que terre, je suis... Pourquoi ? Parce que le meurtre d'enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est ce qu'il y a de plus odieux. C'est ce qu'il y a de plus dégueulasse, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Dès le premier jour, vous comprenez que ça sera l'enfer. Je dirais pas dès le premier jour, mais très rapidement. Très rapidement parce que on me le fait sentir, parce que je suis mis à l'écart des autres. Mais même en étant mis à l'écart des autres, il y a des fenêtres. Les choses communiquent par le biais des promenades. Ils vous parlent. La communication se fait très très vite. Ils vous parlent, ils vous disent. Oh, on me parle, on m'insulte. On dit quoi ? Ça serait quand même beaucoup plus simple. Meurtrier, assassin d'enfants, on va te faire la peau, on va te lyncher. Tu mérites pas d'exister, tu mérites pas de vivre. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça a été au quotidien. Mais on vous dira, ce ne sont que des mots. Encore une fois, les mots font plus de mal qu'un coup porté. Et en même temps, ça ne s'arrêtera pas aux mots. Non, ça ne s'arrêtera pas. On portera les coups. On portera les coups, oui. Et dès les premiers jours, vous avez la sensation que le moment où vous êtes le plus vulnérable, c'est la douche. Oui. C'est l'endroit où on est le plus vulnérable. Pourquoi ? Parce que... on est nu. Et de surcroît, on est seul. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. C'est dans la douche que vous vous faites tabasser la première fois. Ça se passe comment ? Eh ben... on profite du fait que je sois seul. On profite également du fait qu'on savait que je ne riposterais pas, parce que je n'en avais pas les capacités. Ça, il n'y a pas besoin de le dire pour le sentir. Ça, il suffisait simplement de me regarder pour savoir que je ne réagirais pas. J'ai eu droit à des coups de torchon mouillés, et ça, croyez-moi, ça fait très mal dans les côtes. J'ai eu droit à des coups de savonnette dans les chaussettes. Et ça fait à la limite encore peut-être plus mal que les serviettes. Alors, effectivement, on pourrait me dire, mais attends, pourquoi t'as pas réagi? Pourquoi t'as pas été te plaindre? Vous avez même pas crié. J'ai pas vraiment crié, non. On peut pas dire hurler, non. J'ai contenu le mal parce que je savais pertinemment que si je venais à crier, ça aurait fait quoi? Ça aurait été un mécanisme qui se serait retourné contre moi. Il y avait déjà assez de menaces qui pesaient sur moi, donc il s'agissait de maintenir ces souffrances et ces douleurs pour éviter qu'il y en ait d'autres et qu'il y en ait encore plus. Est-ce que, du jour où vous mettez le pied en prison, vous envisagez que vous serez violé ? Absolument pas. Est-ce que néanmoins, plus le temps passant, plus vous sentez que cette menace existe ? Parce que ça fait partie aujourd'hui de l'univers de la prison quand on est jeune et un peu fragile. Bien sûr, mais bon, plus d'une fois on me l'avait fait comprendre. Mais bon, ce n'était que des mots. Je m'étais dit, bon, je gardais l'espoir que ça resterait jamais que des mots. Malheureusement, ça n'a pas resté que des mots. Mais là, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors là aussi, on pourrait dire, ouais, mais attends, pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Pourquoi tu n'as pas été voir les gardiens? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tout simplement, parce que ça aurait servi à rien. Malgré toute cette souffrance, au moment où vous endurez tout cela, est-ce que vous êtes toujours dans le combat pour l'innocence ou pas? Toujours. C'était le combat. Le combat, le combat et encore le combat. Rien d'autre. En juillet 90, l'avocat de Patrick Dils dépose une première demande de révision qui remet en cause les aveux. En vain. 4 ans plus tard, l'avocat demande une grâce présidentielle afin de commuer la perpétuité en peine à durée déterminée. Les familles de victimes s'indignent. Là, il y a deux enfants qu'il a tués dans des circonstances abominables. Et alors, il faudrait maintenant raccourcir la peine pour question d'humanité. Mais où elle est l'humanité?
Et nous, on ne peut pas parler d'humanité, nous, avec notre enfant. Notre enfant que l'on voit plus, qu'on ne voit plus encore. Là, il vit, il est en prison. Moi, je ferai des kilomètres pour voir mon enfant, moi, en vie. Dagrasse est rejeté par le président Mitterrand. Il écrit une lettre à la grand-mère d'Alexandre qui lui avait fait part de sa colère. À l'intention de tous les parents meurtris, ma détermination à ne jamais prendre de mesures de clémence en faveur des assassins d'enfants. Je vous prie de croire, madame, avec mes sentiments de compassion, en l'assurance de mes respectueux hommages, François Mitterrand. À ce moment-là, c'est fini. Patrick Dils va rester en prison, c'est certain, au moins pour 20 ans, peut-être plus, à moins qu'un nouvel élément n'intervienne, quelque chose qui n'aurait pas été évoqué au cours de l'instruction, un nouveau témoin, un nouvel indice. C'est l'article 622 du Code de procédure pénale. Et c'est la condition pour espérer obtenir une révision. Mais ça... La famille Dils commence à recevoir des soutiens. Celui notamment d'un jeune couple, Jean-Claude et Marie-Claire Seignière. Jean-Claude connaît Patrick depuis l'enfance. Sa femme, Marie-Claire, va rencontrer les parents. Les Seignières poussent les Dils à médiatiser l'affaire. Ils écrivent à Jacques Vergès, qui les dirige vers un confrère parisien. Maître Florent les informe alors de la loi française. Il faut absolument un élément nouveau. Les Dils ressortent alors de leur dossier un article qu'ils avaient découpé dans le Républicain Lorrain. Ben voilà l'article qui nous a interpellés en 92, mais on a mis jusqu'en 99, jusqu'à ce que la Cour de cassation prenne en compte ce fait nouveau. L'article met en cause un SDF soupçonné d'être un tueur en série. Il est accusé d'avoir tué un homme à coups de pierre. Ce zonard pourrait-il être l'assassin des deux enfants ? Maître Florent décide de creuser cette piste et d'enquêter sur ce SDF qui s'appelle Francis Holm. Originaire de Metz, Francis Holm a pris la route après la mort de sa mère en 84. Alcoolique, souffrant de graves troubles psychologiques, il se déplaçait surtout en autostop et séjournait dans des foyers pour sans-abri. Dès son plus jeune âge, Holm a multiplié les tentatives de suicide et les actes d'automutilation. Il faisait de fréquents séjours en hôpital psychiatrique. En 97, Francis Holm est déjà soupçonné d'une douzaine de meurtres et il est condamné plusieurs fois à perpétuité. Surnommé le routard du crime, Francis Holm a semé la mort au hasard de son périple à travers la France. Ses victimes sont toujours des êtres vulnérables, des hommes à la force amoindrie, des femmes, des enfants en situation isolée. Ces meurtres sont commis la plupart du temps en état d'ivresse et ils sont d'une très grande violence. C'est quelqu'un, je pense, qui a une déficience mentale, qui souffre mentalement et qui doit être soigné mentalement. Et sa place, elle est en hôpital psychiatrique. Il a fait 115 séjours dans les hôpitaux psychiatriques. Donc lui-même le sait, puisqu'il y va dans les hôpitaux psychiatriques de son plein gré. Pour en savoir plus sur Francis Holm, le cabinet Florent contacte Jean-François Abgral. Le gendarme est devenu le spécialiste du cas Francis Holm. C'est lui qui l'a arrêté en 92 et c'est lui qui lui a fait avouer à plusieurs reprises ses crimes. Il sait comment l'homme fonctionne, il sait décrypter les drôles d'histoires que lui raconte le tueur. Ce sont des discussions, je dirais presque informelles, où l'on parle de son parcours, de sa vie. Et tout doucement, dans son parcours, il va expliquer qu'il est témoin de choses. Ces meurtres, il est décrit souvent en qualité de spectateur. Il a vu l'assassin commettre le meurtre. Il est capable de le décrire en détail, de dire où les éléments ont été éparpillés, les éléments matériels, je reviens toujours à ça. Et finalement, sa participation, il la met vraiment qu'en deuxième rideau, en déclarant plus tard, bah finalement, il n'y avait personne, c'est moi qui ai fait ça. Le gendarme se souvient que lors de son arrestation en 92, Holm lui a raconté une étonnante histoire en Lorraine. Il explique qu'il se promenait dans l'est de la France, qu'il longe une rue, alors je ne la connais pas, j'y suis jamais allé, hein, mais il est très précis, il longe une rue, que sur la droite, dans cette rue, il y a un talus, qu'en haut du talus, il y a une voie de chemin de fer, qu'en haut de la voie de chemin de fer, il y a des gamins, que ces gamins lui jettent des pierres, qu'à gauche, il y a des pavillons. Donc il reçoit ces pierres, il voit les gamins, il continue sa route, il va jusqu'au bout de la rue où il y a un stop, une poubelle à droite, un pont, une route qui monte légèrement à gauche, il part faire un tour, il revient dans l'idée quand même de sermonner les gamins. Et quand il revient, il voit des pompiers, des policiers, et il voit des gamins morts près de wagons sur les voies de chemin de fer.
Le gendarme Abgral a vérifié à l'époque l'itinéraire du tueur. En septembre 86, il était bien présent à Montigny-lès-Metz. Dominique Rizet, comment se fait-il que quand Holm fait des confidences au gendarme Abgral en 1992, qu'il lui dit « J'ai vu des enfants, une voie ferrée, ils m'ont jeté des pierres, on a trouvé un corps, il y avait des pompiers, etc. » on ne fasse pas immédiatement le lien avec l'affaire de Montigny? Il y a une raison à ça, une raison qui me donne envie de dire que vraiment Patrick Dils, c'est le garçon qui n'a pas eu de chance. En 92, les gendarmes de Rennes arrêtent Francis Holm. Il reconnaît un meurtre qu'il a commis en Bretagne, et puis un autre, et puis il donne des éléments diffus, comme il le fait toujours, sur d'autres affaires. Il parle d'une histoire qui s'est passée du côté de Montigny-lès-Metz. Il passait à bicyclette, une voie ferrée, des enfants qui lui jettent des pierres. Il revient un moment plus tard et il dit « Quand je suis revenu, j'ai vu les corps des enfants et des pompiers sur place. » Les gendarmes prennent note. On est en 92. Et immédiatement, ils vont aller vérifier au fort de Rosny-sous-Bois où se trouve l'ordinateur central, la mémoire informatique de la gendarmerie. Et ils vont vérifier dans cet ordinateur en entrant des mots-clés, double meurtre d'enfant, voie ferrée, on est en 92. Et ils ne trouvent rien. Pourquoi? Parce que le meurtre qu'ils recherchent, c'est le meurtre qui a été commis en 1986, à Montigny-lès-Metz, et que l'auteur du meurtre a été arrêté, c'est Patrick Dils, qu'il est condamné, qu'il est en prison. Donc on a effacé de la mémoire de l'ordinateur. C'est un problème réglé. Cette affaire, c'est un problème réglé. Donc effectivement, ils ne peuvent rien trouver. Qu'est-ce qui va permettre alors de faire le lien entre les deux affaires? 5 ans plus tard, Patrick Dils a 2 nouveaux avocats, Jean-Marc Florent et son assistante qui s'appelle Estelle Dubois. Et ce sont eux qui vont aller questionner par écrit le gendarme Abgral, le spécialiste de Francis Holm, en lui disant « Nous, on a un client qui s'appelle Patrick Dils, qui est en prison pour telle raison, double meurtre d'enfant. Et là, ça va connecter. » Quand Abgral reçoit cette lettre, il fait tilt, il repense aux aveux d'Holm en 92, à ses éléments, il fouille dans ses notes et il retrouve ce qu'Holm lui a dit. Alors là, Abgral, le gendarme Abgral, va rédiger ce document-là, qui est un procès-verbal de renseignement judiciaire, 3 pages, qu'il va adresser à sa hiérarchie. Dans ce document, il y a d'abord la personnalité de Francis Holm, à la première page, 2e page, les meurtres qu'il a commis et les autres meurtres qu'il aurait pu commettre. 3e page, Abgral écrit « Francis Holm nous a dit en 92 qu'il circulait à bicyclette le long d'une voie ferrée. » Dans l'est de la France. Dans l'est de la France. Avoir reçu des pierres jetées par 2 enfants. Exactement. Être parti puis repasser sur les lieux quelques minutes plus tard où il a vu les corps de 2 enfants près de wagons, non loin de poubelles et d'un pont. Voilà, ça c'est l'affaire de Montigny-lès-Metz. Et vous voyez Christophe, ce document-là, ce procès-verbal de renseignement, quand il le rédige, le gendarme Abgral est en train de donner le premier tour de clé dans la porte de la cellule de Patrick Dils. Il est aussi en train de lui redonner l'espoir. Et la liberté peut-être. La liberté peut-être, oui. Presque 2 ans plus tard, la Cour de cassation rend un premier avis. Monsieur Dils, qu'est-ce que vous ressentez? Oh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Je suis très ému, hein. Mais je pense que c'est bon. En fait, la commission de révision estime que la présence de Francis Holm est effectivement de nature à faire naître un doute, mais qu'elle reste une hypothèse non vérifiée. La commission demande un supplément d'instruction. L'affaire Patrick Dils rebondit, les médias se réveillent. Contrairement à l'affaire Grégory, qui s'est déroulée pas très loin de chez nous, il n'y avait pas de débat. Voilà, il n'y avait pas les pros et les anti. Dils était condamné, il était en prison depuis 13 ans à l'époque. Et c'est vrai que, mis à part les familles ou peut-être les journalistes qui avaient traité cette affaire de près à l'époque, au moment des faits, c'est une affaire dont on ne parlait plus. Très vite, l'enquête établit que Francis Holm était employé dans une entreprise de Montigny, située à 400 mètres du talus. Le 28 septembre, jour du crime, il était censé se rendre à l'hôpital pour faire soigner une blessure au pied. Il n'y est pas allé. Et à partir de ce moment-là, son entourage le trouve changé, perturbé, très violent. Il est renvoyé de son travail et le 12 novembre, il est hospitalisé après une tentative de suicide. Son corps porte des traces d'automutilation.
On savait aussi, parce qu'on avait eu la chance d'obtenir un rapport psychiatrique sur Holm, et on savait qu'il commettait ces crimes de façon... c'était des actes compulsifs, d'une extrême violence. Donc on collait un peu plus avec, effectivement, la description du crime de Montigny-lès-Metz. Francis Holm est alors transféré à la maison d'arrêt de Nancy et interrogé par un policier qui le connaît bien pour l'avoir déjà entendu dans d'autres affaires. Un policier qui sait comment il fonctionne. Il répond aux questions au coup par coup. Bon, il est déjà très attentif à ce que vous dites. Il vous fixe dans les yeux. Il ne vous quitte pas les yeux. Si vous l'interrogez pendant 3 heures, il vous regarde dans les yeux et 3 heures après, il a encore le regard fixé dans les yeux. Francis Holm raconte une nouvelle fois que le dimanche 28 septembre, il faisait une promenade à vélo le long de la voie ferrée. Il donne des détails supplémentaires. Là, en passant sous le tunnel, il y a des jeunes qui lui avaient lancé des cailloux sur la voie ferrée qui était située au-dessus. Et là, il s'était énervé, il avait posé le vélo à l'intérieur du tunnel et il s'était précipité le long du talus pour voir quels étaient les jeunes qui lui lançaient des cailloux. Bon, il m'a dit que les jeunes étaient partis, donc qu'il avait repris son vélo et qu'il était parti en définitive boire énormément de bière avec son copain dans Metz. Le soir, Francis Holm me dit avoir refait le même trajet dans l'autre sens et reconnaît qu'il a fait un long détour pour repasser sous le tunnel. Il était d'humeur agressive. Ce qui est intéressant dans l'audition-là, c'est essentiellement donc le fait qu'il reconnaisse que les jeunes lui ont lancé des cailloux et qu'il était repassé par là pour engueuler ces jeunes. Et bon, et malheureusement, il dit, quand je suis arrivé, la police était là, les pompiers, les ambulances étaient là. Bon, mais ça c'est du pipeau, ça c'est évident. Hein. Alors, si vous voulez, si vous interrogez de nouveau une deuxième audition, après, il vous en dira un peu plus. Voyez. Plus tard, au cours d'autres auditions, Holm raconte qu'il est monté sur le talus, qu'il a vu l'assassin devant 2 enfants morts. L'un d'eux avait son pantalon baissé. Je me suis aperçu que dans tous les meurtres, soit les gens étaient nus, soit les gens avaient le pantalon un peu baissé, c'est-à-dire pas entièrement, pas nécessairement dans le but de mettre le sexe à l'air, mais simplement une petite signature. Il dégrafe le pantalon, il le baisse. Et ça, c'est Holm, quoi. Francis Holm dessine les lieux du crime. Il situe même un petit chemin qui permet d'accéder au talus. J'ai décidé, moi, le lendemain, d'aller voir à Metz, d'aller voir les lieux, parce que moi, je ne connaissais pas les lieux. J'ai entendu Holm sans connaître les lieux. Et j'étais stupéfait de voir l'existence d'un chemin de l'autre côté de la voie ferrée qui menait à quelques mètres du meurtre des enfants. Quoi. Le policier lui pose la question. Seriez-vous capable de tuer 2 jeunes enfants qui vous lancent des cailloux? Francis Holm me répond, oui, mais c'est pas moi à Montigny-lès-Metz. L'ombre de Francis Holm pèse désormais sur l'affaire. 2 journalistes s'interrogent. Patrick Dils pourrait-il alors être innocent? Il décide de reprendre l'enquête. Ce qui nous trouble au début, en fait, hein, c'est que si effectivement Patrick Dils était coupable à 100% et comme il a été condamné à perpétuité, nous, à chaque fois qu'on ferait notre enquête, finalement, rapidement, on aurait été bloqué en se disant bah, de toute façon, c'est complètement stupide ce qu'on fait, puisque effectivement, là, on a la preuve matérielle par A plus B que c'est lui. Plus on rencontre Bernard Varlet, plus on se pose des questions essentielles autour de l'enquête et qui, là, par contre, mérite une réponse parce qu'on a envoyé quelqu'un en prison et qui a été condamné à perpétuité. Quel est le mobile du crime? Bernard Varlet n'en a pas. Quelles sont les preuves qui vous emmènent? Bernard Varlet n'a pas de preuves. Et il nous dit, il y a les aveux. Alors certes, les aveux ont un point important et on le verra tout au long de cette affaire Dils. Mais à côté des aveux, rien ne vient suffisamment bien, et même rien du tout, vient expliquer que Patrick Dils est le coupable. Patrick Dils est en prison depuis 13 ans. Est-il coupable? La question est maintenant officiellement posée dans les médias. La présence de Holm a ouvert la porte du doute. L'erreur judiciaire, c'est quelque chose qui fait quand même fantasmer la presse. C'est quand même pas si fréquent. Des erreurs judiciaires et pour des crimes aussi terribles, ça l'est encore moins.
Ça fait presque 3 ans que l'avocat de Patrick a déposé une demande de révision. Pour faire pression sur la justice, il organise un coup médiatique. Maître Florent convoque la presse sur les lieux du crime. On a du mal à comprendre que la cour de révision prenne tout son temps dans un dossier qui devrait être prioritaire puisqu'il s'agit certainement de la plus monstrueuse erreur judiciaire que la France ait connue. Quelques mois après, le 3 avril 2001, la cour de révision rend son arrêt. Cet après-midi, dans la chambre criminelle de la cour de cassation, lorsque la famille Dils a croisé les familles des 2 enfants assassinés, il n'y a pas eu de regard, mais une tension extrême, bien perceptible sur les visages des uns et des autres. L'instant est historique. Comme l'avait requis l'avocat général, la cour de cassation a finalement décidé. Patrick Dils reste en prison, mais il sera rejugé. Vous savez que c'est une première dans l'histoire judiciaire française. C'est la première fois en 100 ans qu'une condamnation à perpétuité frappant un mineur pour double homicide est anéantie par la cour de révision. Aujourd'hui est un jour historique pour la justice française. J'ai pensé à Patrick, évidemment. Ouais. Mais j'ai pensé que le plus important, c'était que la cour, elle casse l'arrêt. Ben content, c'était déjà une très bonne chose. Enfin, un petit espoir que de revoir mon frère. Avoir avoué, parce qu'il a tout avoué, depuis un juge cadet, comment il a tué nos enfants, dans des circonstances abominables, des détails abominables, jamais j'aurais cru en arriver là. Les parents des victimes restent persuadés de la culpabilité de Dils. La cour annule le jugement de Metz. Patrick est à nouveau présumé innocent. Jean-Marc Florent, lorsque tombe l'arrêt de la cour de révision, vous dites « c'est historique ». Pourquoi c'est historique ? C'est historique parce que c'est la première fois. C'est la première fois qu'en France, la cour de révision révise une condamnation criminelle aussi lourde, la perpétuité, sanction la plus lourde après l'abolition de la peine de mort, et c'est la première fois que la révision touche une condamnation ayant frappé un mineur. Donc c'est doublement historique. Et un mineur qui vient de passer 15 ans en prison. Et un mineur en plus qui a fait une particulièrement longue époque de détention. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la clé de cette décision de la cour de révision ? Vous savez à quel moment vous l'avez emportée ? Je crois, enfin mon sentiment ne sera jamais le secret des délibérés et des magistrats de la haute juridiction, mais je crois que c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. Ça, j'en suis intimement persuadé. Je pense aussi que c'est une décision qu'on a certainement eue sur le fil du rasoir. C'est-à-dire, je ne pense pas que ça a été à l'unanimité que c'est une décision qui était facile à prendre. Ça, je ne crois pas du tout. Et jusqu'au bout, on a ressenti quand même des tiraillements ou des, comment dire, un risque finalement que ce que j'appelle les gardiens du temple l'emportent sur la vérité et qu'on nous dise finalement pas de révision. C'est-à-dire les gardiens du temple sont ceux qui pensent que la justice ne peut pas se déjuger. Ben, les gardiens du temple sont ceux qui pensent d'abord que la justice ne peut pas se tromper et que quand elle s'est trompée, il vaut mieux ne pas le dire car le mal serait encore pire que la révision. Ce qui l'emporte, c'est quoi ? Quel est l'argument ? C'est Holm ? Alors je crois que c'est Holm, mais je crois aussi que vraiment ce qui a permis de l'emporter, c'est la campagne médiatique qu'il y a eu en faveur de Patrick Dils. Ça, j'en reste intimement persuadé. Vous avez les médias de votre côté, enfin ! On a enfin les médias de notre côté, alors que les médias nous ont été... Enfin, quand je dis « on », je n'étais pas l'avocat de Patrick Dils, vous le savez, lors du premier procès, mais les médias ont été très hostiles à Patrick Dils. Je me suis fait communiquer l'ensemble de la presse de l'époque, ont été très à charge contre Dils. Mais toute la phase de révision, les médias, progressivement, ont été très favorables à Dils, et il y a eu véritablement un courant dans l'opinion publique. Et ça, on l'a senti progressivement. Et je crois que ça a été l'un des éléments décisifs pour la cour de révision qui, je pense, s'est dit à un moment, non seulement il y a des charges très fortes qui pèsent sur Francis Holm, il y a des doutes très importants en ce qui concerne la culpabilité de Dils, et il y a un courant d'opinion publique qui est quand même très favorable à ce garçon, il faut le rejuger. Voilà 14 ans qu'ils attendent cela, 14 ans que Jean et Jacqueline Dils se battent pour leur fils aîné, pour qu'il obtienne ce nouveau procès. Très optimistes, les parents partent à Reims, où tout va recommencer. Oui, un grand jour pour nous, hein. Et espérons que c'est le dernier et le bon, hein. Ah ben il est là. Ce jour-là. Ça va être bon. Hein. On verra ça. Mais j'ai confiance. Ce matin de juin, sur la route de Reims, les Dils sont souriants. Ils pensent être au bout de leur voyage. Leur fils va être rejugé et ils l'espèrent,
innocenté. Il n'en demande pas plus. À la limite, ça ne vous intéresse pas de savoir si c'est lui, si c'est Aude ou pas? Si, ça nous intéresse, ça nous intéresse quand même de savoir, parce qu'on a été tellement impliqués dans cette affaire qu'on voudrait quand même savoir qui est le vrai criminel. Oui, criminel. Mais c'est pas l'essentiel, quoi. Non, l'essentiel, c'est pas. Patrick c'est doit pas ça. Sortir blanchi. Patrick sortait blanchi. Les Dils ne verront pas leur fils avant le procès. Même s'il est à nouveau présumé innocent, la justice a refusé sa remise en liberté. Les retrouvailles se feront une nouvelle fois dans une cour d'assises, celle de Reims. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Un procès exceptionnel, hors du commun à plus d'un titre. Un procès en révision, rarissime dans les annales judiciaires. Le second procès d'un homme qui se dit innocent et qui a passé près de 15 ans de sa vie en prison. Lorsque Patrick Dils, ce matin, prend la parole, c'est pour réclamer que ce procès-là soit public, pour que, je cite, « tout le monde sache et entende la vérité ». Patrick Dils est à nouveau jugé à huis clos, car il avait 16 ans au moment des faits. Il est jugé comme un adolescent alors qu'il a 31 ans aujourd'hui. Quel homme est-il devenu après 15 ans de prison? La question est posée dès le premier jour au psychiatre. C'était en prison quelqu'un de calme, quelqu'un d'actif, quelqu'un qui était organisé autour de ses centres d'intérêt. À l'âge adulte, Patrick Dils est une personnalité qui s'inscrit tout à fait dans la normale. Un second procès, exceptionnellement douloureux aussi pour les familles des victimes, soutenues par des psychologues. Un deuil, toujours impossible à faire, 15 ans après les faits. Le deuil est remis en question. Ça vous ressaute à la figure 15 ans après. Automatiquement, tout se mélange dans la tête. Patrick Dils affirme qu'on lui a extorqué ses aveux successifs. Alors, dès le premier jour, il est confronté aux policiers qui les ont recueillis. Patrick Dils aujourd'hui dit que ses aveux lui ont été suggérés. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est hors de question. C'est ce que je vais dire au directeur. C'est-à-dire que ça s'est passé spontanément. Vous nous le direz tout à l'heure. Particulièrement attendue, la confrontation avec l'inspecteur Bernard Varlet, l'homme qui a dirigé l'enquête il y a 15 ans. Le policier n'a pas changé d'avis. Quelle est votre conviction aujourd'hui? Ah ben, qu'il est toujours coupable. Est-ce que vous avez un doute? Absolument pas. J'ai jamais eu de doute et je pense pas que j'en aurai un jour. Sauf à me démontrer qu'un autre peut être l'auteur de ce double meurtre, mais ça m'étonnerait quand même. Mais face à l'inspecteur Varlet, Patrick Dils n'est pas très convaincant. Au début de l'audition de Varlet, il est très remonté. Il raconte à nouveau son scénario, gamin, mais gamin, imaginons ce qu'il a raconté de multiples reprises. Et à un moment, sur un fait très précis, Varlet lui dit c'est faux, pour telle et telle raison. Il pique du nez et après, on ne l'entend plus. On revoit exactement la même situation de la cour d'assises de la Moselle. Et on revoit Patrick Dils qui ne se défend pas vraiment, qui avait pourtant claironné par l'intermédiaire des médias ou peut-être de ses avocats qu'il allait enfin pouvoir s'expliquer. Il ne s'explique pas. C'est un garçon qui était tout à fait déroutant pendant ce procès. On attendait qu'il ait de la conviction, qu'il soit fort dans sa protestation d'innocence. Souvent, il paraissait faible dans sa protestation d'innocence. Patrick Dils a-t-il avoué sous la pression? Lui a-t-on dicté un scénario? Les avocats des familles de victimes le poussent dans ses retranchements. Vous souvenez-vous ce que vous avez dit lorsque on vous a demandé si vous croyez toujours en Dieu? C'était d'ailleurs la question de votre propre avocat chez le juge d'instruction. Il me dit « Oui, je me souviens. Qu'avez-vous dit ?»« Ben, que je crois toujours en Dieu. » Et pourquoi croyez-vous toujours en Dieu? Lui pose son avocat à ce moment-là. Pour me faire pardonner. Et vous faire pardonner quoi, Patrick Dils? Vous vous souvenez ce que vous avez dit? Alors là, il y a un silence. Il se rend compte qu'il ne peut pas aller plus loin. Et dans le procès verbal, je lui dis, rappelez-vous, vous avez dit pour me faire pardonner le meurtre. Vous l'avez dit. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est un scénario qui est monté toujours par la police et que vous avez toujours dans votre tête et que vous dites au juge d'instruction ou est-ce que c'est la vérité? Et là, évidemment, il y a ce temps de reprise où il dit mais c'est un scénario. L'avocat général veut savoir si les aveux correspondent aux éléments factuels du dossier.
Par exemple, Patrick Dils a-t-il pu tuer en moins de 9 minutes au moment même où les parents commençaient à chercher leurs enfants? Je confronte les témoignages de Madame Deschamps, je confronte les témoignages de Monsieur Bécriche, je confronte le témoignage des époux Jascula qui circulaient dans la rue Venizelo, qui étaient stationnés dans la rue Venizelo jusqu'à 18h40. Je prends le témoignage de Patrick Dils à travers ses aveux. J'essaye de faire coller les uns avec les autres. Je regrette, mais je ne trouve pas le temps nécessaire. Et en tout cas, je ne trouve pas la concordance entre ces différents témoignages par rapport aux aveux de Dils. C'est quand même incroyable. Patrick Dils aurait, en l'espace de 9 minutes, à main nue, avec des pierres, tué deux enfants qu'il ne connaît pas, en tout cas l'un pas du tout, l'autre pratiquement pas, sans aucune raison, serait rentré chez lui, aurait dîné, aurait regardé la télé et serait allé se coucher. C'est invraisemblable. Donc vient donc ce procès qui débute, et j'ai envie de dire qu'il débute mal. Comment se fait-il que Patrick Dils, dans ce procès qui est capital pour lui, soit aussi peu coopératif? Alors je crois que, c'est, comme vous le dites, c'est un procès qui commence mal. C'est un procès qui commence mal parce que c'est un procès qui est à huis clos, alors que les audiences devant la Cour de révision ont toutes été publiques. C'est un procès qui commence mal parce qu'à huis clos, la presse en est d'emblée exclue et qu'il y a en fait deux procès. Un procès dans la salle d'audience de la Cour d'assises de la Marne et un procès dans la salle des pas perdus en doublon où tout le monde recommence sa prestation. Et ça, je crois que d'emblée, c'est malsain. La loi à l'époque était comme cela. C'est pour ça qu'on a voulu qu'elle change et pour que ça ne se passe pas la même chose dans l'autre procès. Je crois également que Dils, dans ce procès-là, a été très mauvais, mais il le sait. Mais je crois qu'il faut dire à sa décharge que rien n'a été fait pour qu'il soit bon. Il a été mauvais, ça... C'est... Vous pouvez... Il n'a pas su s'exprimer. Il n'a pas su s'exprimer, mais je crois qu'il attendait ce moment-là depuis tellement longtemps que ça a été quelque chose, je dirais, de certainement de paralysant pour lui. Et le poids du huis clos, la longueur des débats... Je me souviens d'un vendredi soir, la première semaine, où à 3h du matin, les experts témoignaient encore. Le côté quand même abasourdissant de ce procès-là, la grande fatigue de tout le monde, l'attitude de certains acteurs judiciaires n'a pas du tout favorisé le dialogue, une quelconque expression de Dils chez quelqu'un, il faut quand même le dire, qui ressortait pour la première fois à la lumière depuis 15 ans. Vous êtes donc un avocat désespéré lorsque vous abattez votre carte maîtresse quand même dans ce procès, qui est l'affaire Holm et la présence de Francis Holm sur les lieux du crime. Tout le monde n'attendait que lui. À l'intérieur du fourgon cellulaire, Francis Holm. Le tueur en série a été extrait à l'aube de sa prison de Metz. Étrange balai que celui de l'arrivée de deux suspects pour un même meurtre sous l'œil de la grand-mère d'un des enfants assassinés. Nous, on veut savoir qui a fait ça. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Qui que ce soit. À Reims, Francis Holm, le tueur en série, est entendu comme simple témoin, à la barre, et pas dans le box des accusés. Pour vous, Francis Holm est forcément impliqué d'une manière ou d'une autre? Disons que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il a dit quelque chose, à chaque fois il était présent sur le site de crime, et à chaque fois il a été l'auteur des faits. On attendait beaucoup du témoignage de Francis Holm, mais il est brusqué par le président du tribunal, et il ne dit rien. Le président, qui a été parfait pendant tous les débats, ne sait pas, à mon avis, comment interroger Francis Holm. Il l'interrompt trop souvent. À plusieurs reprises, Francis Holm vient dire « Oh, mais quand je vais vous raconter ce que je vais vous raconter, vous ne me croirez pas, vous ne me croirez pas. » Et comme le président est un peu trop directif en son interrogatoire, à un moment, il se ferme. Francis Holm se ferme. Simplement, à la fin, il demande, à la fin de son interrogatoire, le président, Francis Holm demande l'autorisation de s'adresser à la grand-mère Bécriche. Je me suis levée pour être à sa hauteur et je l'ai regardée. J'ai dit, Madame Bécriche, qui dit, vous savez, je suis ici en cour d'assises, qui dit, à Reims. J'ai tenu à vous parler. Moi, j'ai dit, parlez, je vous écoute. C'est pas moi qui a tué les enfants. Et quand il a eu fini, j'ai dit, je vous crois. Francis Holm. Le président demande alors à Patrick Dils s'il veut dire quelque chose aux témoins. Non, répond Dils. Holm se tourne alors vers lui et le fixe. J'ai l'impression qu'il se parle avec les yeux.
Ils soutiennent ce regard, l'un et l'autre, pendant une minute ou deux. Et le premier qui rompt le silence, c'est Francis Holmes, qui indique à Patrick Dils, je ne crois pas que Patrick Dils soit coupable, mais je lui souhaite bonne chance. Et Patrick Dils lui répond, je vous remercie, il se rassoit, et Francis Holmes est évacué. Hallucinant. Ce crime, Dominique, Francis Holmes n'en est peut-être pas l'auteur. Mais si c'est lui, pourquoi est-ce qu'il n'avoue pas, lui qui a tué tant de personnes et qui de toute façon va passer sa vie en prison ? Il y a peut-être une explication qui se trouve dans la famille. Francis Holmes a une sœur qui s'appelle Christine, que j'ai souvent rencontrée au tout début de l'affaire. Christine a deux enfants. Francis Holmes et Christine ont grandi en souffrant beaucoup, père alcoolique, qui les battait, qui les frappait, et ça les a rapprochés. Ils sont très liés. Ils sont très très liés. Quand Christine Holmes va rendre visite très régulièrement à son frère Francis en prison, elle emmène souvent ses enfants. Oui. À une époque, quand Francis Holmes a avoué le meurtre du petit Joris Vivil, qui était un petit garçon d'une dizaine d'années, qu'il avait tué à Port-Grimaud, sa sœur l'a privé de visite pendant un an. Elle n'est plus venue le voir à la prison avec ses enfants parce qu'elle ne supportait pas l'idée, c'est ce qu'elle m'avait dit, elle ne supportait pas l'idée, et visiblement c'était vrai, que son frère ait pu tuer des enfants de l'âge de ses propres petits-neveux. Mmh. Lui l'a très mal vécu, c'était la seule personne qui lui rendait visite. Et ça n'est qu'une hypothèse, mais si aujourd'hui, Francis Holmes n'avouait pas le double meurtre de Cyril et Alexandre, parce qu'en le faisant, il se priverait une nouvelle fois des visites de sa sœur au parloir. Et de ses neveux. Et de ses neveux. Francis Holmes n'endossera pas ce crime. Mais pour l'avocat général, ce n'est pas pour ça que Patrick Dils n'est pas innocent. Je fais part de mon intime conviction quant à l'acquittement, tout simplement parce que Patrick Dils, compte tenu de ses aveux, compte tenu de ce qu'il y a dans ce dossier pour ce qui le concerne, ne me paraît pas être le coupable de ces faits. Voilà. Holmes, pour moi, est un élément qui reste externe à cette procédure. Plus le temps passe et plus l'avocat général est convaincu que Dils n'a pas eu le temps de commettre le crime. Je crois que nous restions très fragiles dans l'accusation quant au temps précis imputé à Patrick Dils pour commettre le crime. Alors je sais que d'autres, avec beaucoup d'aplomb, viennent vous dire « si, il n'y a pas de problème, les 8 minutes 30, il les a, ça passe bien ». Moi j'avoue que je n'ai pas trouvé moyen de les faire passer, quoi. L'avocat général fait un réquisitoire qui se clôt sur sa conviction, l'acquittement. Sur son texte, il y a un point d'interrogation. Personne ne l'entendra. À partir du moment où l'avocat général réclame l'acquittement, tout le monde se dit « Patrick Dils va être acquitté ». J'ai vu Madame Dils partir toute seule et personne ne l'a vu partir finalement. Et moi, je traînais justement dans cette fameuse salle des pas perdus et je suis allé voir Madame Dils en lui disant « Bon, bah, si l'avocat général réclame l'acquittement, peut-être que votre combat est gagné ». Et elle s'est mise à fondre en larmes. Et c'est la seule fois où j'ai vu Madame Dils pleurer. Et je pense qu'elle a pleuré parce que là, elle a évacué 15 années de pression et peut-être de choses qui, de temps en temps, je pense, l'ont dépassée. L'AFP avait déjà écrit sa dépêche. C'est le titre, j'étais à côté, donc je m'en souviens très bien, c'était « Chronique d'un acquittement annoncé ». Moi-même, j'avais rédigé l'essentiel de mes papiers. Le temps passe. Les délibérations paraissent très longues. Elles vont durer 6 heures. Et au fur et à mesure que la partie civile, quelque part, reprenait confiance, la défense, les visages étaient un petit peu plus sombres. Les journalistes et le public sont autorisés à entendre le verdict. À la question « Patrick Dils est-il coupable du meurtre d'Alexandre et de Cyril ?», la réponse est « oui » à la majorité des voix. On s'est tous regardés, on a du mal entendre. Et puis la deuxième question, la réponse est oui. Là, on se dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe? C'est fou, là. Alors là, c'est l'incompréhension. Moi, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. J'ai vu à ce moment-là les deux avocats de Patrick Dils, Maître Florent et Becker, qui se regardaient stupéfaits. Et puis il dit non. Puis, mais non, il dit oui. Puis après, là où on est sûr, c'est quand il dit, et on le condamne à 25 ans.
C'est l'ultime rebondissement de cet incroyable procès. 25 ans de prison, un verdict complètement inattendu, même pour les familles des victimes. Je ne crie pas victoire, je ne ris pas, non du tout, absolument pas. C'est pas ça que je viens vous dire. Je viens vous dire que... la justice a passé encore une fois. J'en étais sûre. Nous étions sûrs qu'il avait tué les petits garçons. Expliquez-moi. Cette décision, je ne comprends pas. Je comprends pas. Alors, nos avocats ne comprennent pas non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Patrick Dils retourne donc en prison. Celui qui a été reconnu coupable deux fois a désormais 10 jours pour faire appel. 10 jours pour décider avec sa famille et ses avocats s'il faut vraiment retourner une troisième fois devant la justice. Patrick Dils va être l'un des premiers condamnés français à bénéficier de la nouvelle loi sur la présomption d'innocence qui permet de faire appel d'une condamnation en assise. Il va aussi être le premier à bénéficier d'une loi qui va être d'ailleurs votée pour lui et qui va permettre que le procès d'un accusé mineur au moment des faits puisse se tenir en public. L'opinion publique, qui est plutôt favorable à Patrick Dils, fait donc son entrée dans la cour d'assises. La foule s'est déplacée en masse pour assister au premier procès public de Patrick Dils. C'est le procès de la dernière chance. Pour ses parents, la déception de Reims est encore proche. Mais ils veulent rester optimistes. Je ne vois pas avec tous les nouveaux témoins qu'il y a eu, hein, tout ça. Là, je ne comprendrai plus. Hein, si jamais, si maintenant, c'est pas. Je ne comprendrai plus. Un visage d'adolescent. L'homme qui se présente devant la cour d'assises des mineurs a 31 ans. Pour la troisième fois en 13 ans, il fait face à des jurés populaires. Patrick Dils apparaît détendu, décontracté. Et c'est vrai, il est métamorphosé. Pour lui, il était hors de question de revenir avec des lunettes qui foncent à la lumière, ce qui était le cas à Reims. Il avait ôté la moustache, il avait les cheveux courts, il était coupé en brosse. On a eu un Patrick Dils relooké. Un Patrick Dils nouveau. Et finalement, il s'est un petit peu mis à l'évidence que ça pouvait jouer dans une cour d'assises. La deuxième surprise vient des premiers mots de Patrick Dils. Dès le début du procès, poussé par ses avocats, il dit avoir été violé en prison. Personne ne savait. Ah bah c'est dur à accepter, c'est très dur. C'est révoltant. Qu'est-ce qu'on ne peut rien faire? C'était sorti, ça, dans les lettres qu'il vous avait écrites? Jamais, même au parloir, il nous parlait de ce qu'il avait subi à l'intérieur de la prison. Jamais. Il ne voulait pas en rajouter encore à notre peine. La plupart des journalistes se disent, mince, quand même, s'il est réellement innocent, décidément, rien n'aura été épargné à ce garçon. Et à partir de cet instant précis, Patrick a été libéré. Et il a commencé à parler. Et à Lyon, il a énormément parlé. Et on ne l'a plus reconnu. Ce troisième procès, vous l'avez préparé. Je l'ai préparé. Avec un copain de cellule. Ouais. Que vous surnommez Papy. Racontez-nous d'abord qui est ce monsieur et comment ça s'est passé. Eh ben, qui est Papy ? Papy est avant tout un homme. Papy, c'est Pierre Lefebvre. C'est un homme remarquable. Je crois que je pourrais parler de lui nuit et jour, jusqu'à la fin de mes jours. Jamais je ne serai à la hauteur pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est un homme qui a un cœur grand comme ça. Vous l'avez rencontré en prison? Je l'ai croisé en prison, dans la cour de promenade de Reims. Il va un peu se comporter avec vous comme un coach sportif. Il va vous entraîner au troisième procès. Voilà, je dirais qu'il va m'entraîner à être moi-même surtout. À prendre conscience que j'ai des potentiels, j'ai des capacités. Il suffit d'une chose, de les développer et puis de s'en servir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous pose les questions que poserait le président? Et vous apprenez à répondre? C'est-à-dire que moi, j'ai joué mon propre rôle. Et lui, il a pris la peau de tous les acteurs. Il s'est mis à la place de la juge d'instruction, il s'est mis à la place de l'inspecteur Varley, il s'est mis à la place de l'avocat général, à la place de la présidente de la cour d'assises, pour justement que j'essaye de faire face à tous ces gens-là. Parce qu'il me dit, tu sais, c'est pas parce qu'ils ont un uniforme, c'est pas parce qu'ils ont une robe, que c'est des gens qui sont intouchables. Il me dit, toi, t'es fort par rapport à eux. Toi, t'as la vérité pour toi. Eux, ils ont rien.
Et quand vous arrivez à la cour d'assises et que vous utilisez les méthodes de papy, vous parlez vraiment différemment. Je parle différemment. Je suis honnête, je suis sincère dans mes propos et je pense que c'est ce qui a permis de faire tout le changement parce qu'on a vu que je ne cherchais pas mes réponses, que j'étais naturel, que j'étais parfois un petit peu dans le doute par rapport à mes réponses parce que je ne trouvais pas les vrais mots, parce que je ne savais pas comment expliquer les choses, mais tant pis. Même si ce n'était pas du bon français, même si ce n'était pas forcément la meilleure des manières, je le disais. Et c'était sincère. Mais c'était sincère. Micro en main, s'adressant au juré, il revient sur ses aveux. J'avais 16 ans, j'étais terrorisé. Pour moi, ce n'était qu'un scénario. J'ai raconté ce qui m'a été suggéré. Mais les policiers viennent à nouveau contredire l'accusé. Cette fois, la cour remet en cause leur méthode. Que s'est-il réellement passé pendant ce petit déjeuner de 3 heures qui a précédé les aveux ? Pour l'instant, les aveux détaillés de Dils pèsent encore plus lourd que les doutes. Les aveux circonstanciés de Patrick Dils ont beaucoup impressionné la presse, et notamment tous les confrères qui ne connaissaient pas vraiment le dossier et qui arrivaient là, quelque part, un petit peu avec un œil neuf. La première semaine s'est très mal passée pour lui, compte tenu du poids de ses aveux. Et on se dit que vraiment, vraiment, il n'a pas été condamné pour rien. Il va lui falloir remonter la pente, et ses avocats en sont conscients. La deuxième semaine qui s'ouvre demain s'annonce donc cruciale. Car pour la première fois, il sera question de la contre-enquête menée l'an dernier. 140 témoins réentendus, de nouvelles expertises et surtout la preuve que Francis Holmes, le tueur en série, se trouvait non loin du lieu du crime ce jour-là. Une fois de plus, Francis Holmes ne veut pas endosser ce crime. Non, désolé, il n'a pas tué les enfants. Holmes simplement dit qu'il n'y est pour rien, la présidente l'interroge, il dit qu'il raconte n'importe quoi à chaque fois qu'on lui pose des questions, il dit qu'on lui donne un crayon pour dessiner les lieux, mais ça se trouve souvent, ça correspond au lieu du crime. Et puis il a une phrase qui fait frémir tout le monde. Il dit « Moi, mon truc, c'est l'Opinel et où j'étrangle, à main nue ». Mais le gendarme Abgral, qui le connaît bien, vient redire que pour lui, les récits successifs de Francis Holmes sont des aveux déguisés. Et il est convaincant. Pour avoir suivi d'autres procès Holmes, je retrouve la manière dont Holmes arrive aux aveux dans cette affaire. Et les charges contre Francis Holmes s'alourdissent encore. Deux pêcheurs viennent raconter comment, le soir du meurtre, ils l'ont ramassé à quelques kilomètres des lieux du crime, le visage en sang. C'est un mec qui était affolé. C'est un mec qui sortait de... Je sais pas, il était pas dans son... Il avait un visage qui faisait peur. Ça finit par faire un faisceau de présomption contre Holmes. Et on se dit que peut-être, oui, Holmes a pu commettre ce crime. La piste Francis Holmes se renforce. Mais en plus, les gendarmes arrivent à démontrer que matériellement, Patrick Dils n'a pas pu commettre le crime. Il n'en avait pas le temps. Je crois très sincèrement, et on est un certain nombre à le penser, que ce sont les gendarmes qui ont permis d'acquitter Patrick Dils. Qu'ils aillent aussi loin dans la démonstration, je pense que ça a beaucoup pesé et beaucoup impressionné. L'avocat général pense lui aussi que Patrick Dils est innocent. Dans la balance, la présence de Holmes l'emporte sur les aveux de Dils. Ces aveux sont extraordinairement paradoxaux. Il y a un luxe de détails incroyable. En revanche, des détails fondamentaux sont occultés. La poutre entre les deux enfants, le pantalon baissé, le sang essuyé sur un wagon, tout cela ne figure pas dans les aveux. Dès lors, ces aveux auraient-ils pu être extorqués ? Non, on ne lui a pas extorqué ses aveux. Vous pensez qu'il a disjoncté à un moment donné, qu'il s'est accusé ? En quelque sorte, oui. Oui, oui, il a disjoncté, il s'est accusé, je le pense. Le réquisitoire de l'avocat général fait toute la place au doute. Mais à la surprise de tout le monde, il ne demande pas l'acquittement et s'adresse directement à l'accusé. Et si vous bénéficiez du doute, monsieur Dils, ayez une nouvelle pudeur. Vous avez pris la place du meurtrier. Ne venez pas disputer celle des victimes. Vous n'êtes victime que de vous-même.
Qu'est-ce qui vous fait y croire? Qu'est-ce qui fait que vous pensez à ce moment-là que vous l'avez emporté? La qualité des débats et des audiences. Le fait que toutes les zones d'ombre aient été éclaircies, notamment que la démonstration faite par la cellule scientifique de la gendarmerie ait été implacable en termes de timing et démontré de manière mais véritablement incontestable que Diels ne pouvait pas avoir tué les deux gamins de Montigny, parce qu'au moment où ils étaient morts, il était encore à des centaines de kilomètres, et que ce n'était pas faisable, que ce n'était pas un problème de culpabilité, mais que c'était un problème de faisabilité. Ça, ça a été convaincant. Ah oui, extrêmement convaincant, puisqu'en clair, les gendarmes ont expliqué que les enfants étaient certainement morts à partir de 17h, or au mieux, Diels est rentré à 18h45. Mmh. Donc ce n'est pas techniquement possible. Et puis ? Et puis, j'aurais l'impression quand même, l'impression générale, que Diels s'était bien exprimé et que s'il n'était peut-être pas arrivé à convaincre totalement de tout, le fait que ça ne soit pas possible et que le spectre de Holm flotte quand même grandement sur ce dossier, le tout mis bout à bout devait entraîner son acquittement. Moins de 4 heures de délibéré, la cour entre dans la salle d'audience. Il faudra attendre la 5e question pour comprendre. Patrick Diels est acquitté. 1, 2, 3, acquitté ! Je réalise pas. Je suis hyper hyper content et je voudrais dire merci à tout le monde. Ils ont quand même compris que c'est pas mon fils qui est le coupable. Mon fils est innocent. Oui, monsieur. Mais que mon fils est innocent, c'est ça. Seule, la grand-mère d'une des victimes sort par une petite porte avec son chagrin et sa conviction. Eh bien, écoutez, pour moi, nous, c'est atroce. C'est atroce. Et je peux vous dire qu'on met en libération, qu'on libère un assassin. Et laissez-la se respirer. Dehors, il y aura de l'air. C'était fort. On bouge plus. Tout le monde voit arriver des gardes du corps sans savoir qui ils sont, d'où ils sortent et qu'est-ce qu'ils font. Les gardes du corps sont payés par une chaîne de télévision. Dès la sortie du tribunal, ils entourent les Diels et écartent les journalistes. Jean-Marc Florent a vendu l'exclusivité de la sortie de Patrick Diels à l'émission sans aucun doute. Les journalistes comprennent qu'ils ne vont pas pouvoir travailler et interrogent Maître Florent. Tous les journalistes peuvent vous appeler pour faire une interview. Non, je pense pas que tous les journalistes pourront m'appeler. Vous alors qui pourra vous appeler, sans aucun doute? Alors, monsieur Kemener, pour être très gentil avec vous. Oui, non, mais parce qu'Estelle Mathieu et moi, on a travaillé pendant 2 ans et demi sur cette enquête. Je sais très bien. Ah, mais je crois quand même vous... assez triste ce soir. Vous alors que c'est un événement croyez... historique. Mais vous croyez pas que les gardes du corps, c'est assez triste pour nous? Est-ce que c'est mon problème? Bah, qui c'est qui les a fait venir? C'est pas moi. Oh, c'est bravo pour qui a donné l'ordre à la police de protéger TF1. Face à la colère, Maître Florent permet finalement à Patrick Diels de se rendre devant les micros et les caméras. C'est bon. Extrêmement content de retrouver la liberté, même si j'en mesure pas pour le moment encore toutes les conséquences, mais très content de passer à autre chose que la prison, les murs, les barreaux et l'univers carcéral. Patrick Diels se prête de bonne grâce au jeu médiatique, mais au bout d'un quart d'heure, la séance se termine. Puis très vite, Patrick Diels s'est emmené dans une voiture. Entouré de ses proches, il va être mis au vert jusqu'à l'enregistrement et la diffusion de l'émission de télé. Les journalistes téméraires qui partent à sa poursuite seront vite freinés dans leur élan. Éteins la moto. Arrête là. Viens vite. Éteins. Mais vous n'avez pas parlé à monsieur comme ça. Non, mais arrête là. Vous êtes mon été parti. Éteins la moto, c'est bon. Pourquoi vous le tutoyez d'abord? On est calme, on est très bien, on fait notre métier. Alors, en fin de procès vient le moment de l'acquittement. Oui.
Et alors là, j'imagine que vous avez envie de respirer un grand coup, de vivre un moment de bonheur, et vous tombez, sans être probablement vraiment au courant, sur une polémique entre journalistes. Ouais. Qu'est-ce que vous comprenez à ce moment-là ? Je fais même pas attention à tout ça. La joie est tellement grande, elle est tellement immense, que j'essaye de profiter de ces moments riches en émotions, mais j'en profite tellement que pour la première fois depuis ces 15 ans, je n'arrive pas à dormir. Tellement l'émotion est puissante. Je veux en profiter pleinement parce que à ce moment-là, je ne mesure pas la conséquence de tout ce qui venait de se passer. Et puis j'avais encore peur de me réveiller et de revoir ces barreaux, de revoir ces murs, ces portes fermées. Est-ce que je ne suis pas en train de vivre un conte de fées? Est-ce que je ne vais pas me réveiller demain matin derrière les barreaux? Alors je vivais intensément les moments qui s'offraient à moi. Le meurtre d'Alexandre et Cyril n'est plus l'affaire d'Ils, mais tout simplement l'affaire de Montigny-les-Metz. Et 15 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé sur ce talus. Qu'est-ce que vous voudriez aujourd'hui? Aujourd'hui, je voudrais savoir la vérité. Je voudrais savoir maintenant la vérité. Qui a tué les enfants? Et Cyril, il trottera toujours derrière vous. Et vous le voyez toujours, la même taille. Vous ne voyez pas grandir. Il est toujours petit. Et il sera toujours derrière. Non, on fait pas notre deuil. Non, on peut pas faire notre deuil. Non. Nous, on est marqués à vie. La justice française, en effet, a dit que Patrick Dils était innocent. Elle n'a pas dit que Francis Holm était coupable. Et d'ailleurs, à ce jour, il n'est pas mis en examen pour les deux crimes de Montigny. Le livre de Patrick Dils s'achève par ces deux phrases. « J'étais dans l'ombre et on m'a mis dans la lumière. Je vais retourner dans l'ombre et je vais enfin débuter ma vie. »